Musique. Je sais pas, vas-y doudou, vas-y, bah normalement là j'ai mis mon... J'ai bidouillé là, normalement, c'est bon. Hop. Yeah. Attends, je vais regarder si le stream il fonctionne bien, parce que là je viens de le lancer, d'accord? Vous me dites, je vais voir ce que ça donne. Le stream il est sur quoi en fait? Sur YT, sur YouTube. Ah bon, ok, c'est ça. Sur l'internet. Oui. Ok. Tu commences à me parler poliment. Sur l'internet. Oh, qu'est-ce que j'ai dit, monsieur? Oui. Ça marche bien, c'est beau. Vos voiles sont magnifiques. Incroyable. Attends, là, je faisais des lives à un moment sur GoldenEye, sauf que... Attends, je vais essayer de m'écouter, là, je m'entends pas. Si, on t'entend. Ah si. Attends, j'ai une voix sublime. Ma voix est sublime. Bref, donc, ce que je vous propose, les gars, vu qu'on discute, de toute façon, c'est juste un live de discussion, on va dire. Ce que ouais. Je vous propose de faire... Bon, après, je sais pas, vous avez Steam, vous avez un bon PC, Bah, moi, ouais. Ma queue sur mon PC, c'est une galère, j'ai fait non, pas trop. T'as dit quoi? J'ai pas entendu, t'avais la langue fourchée. La queue sur mon PC, je t'avais expliqué hier que c'était un peu n'importe quoi, mais du coup, Steam, c'est pas trop ça, quoi. Ah, donc tu vas pas pouvoir jouer à Brawlhalla? Ah Parce bah que non. Brawlhalla c'est gratuit, ça pèse 300 MMO. Mais je sais, j'ai déjà joué à Brawlhalla. Bah, Brawlhalla c'est la vie. Mais c'était quand j'avais pas déménagé, ça, Brawlhalla. Et du ouais, coup, bah... ben, non. Tu vas jouer à Brawlhalla? Et non, parce que Mako, là, ils mettent... Attends, je vais te lire ce qu'ils disent, hein. Comme ça, tu... Voilà. Ouais, mais... Taco, je l'emmerde, tu vas jouer à Brawlhalla. Réseau non identifié. Ouais, mais c'est pas drôle. Attends. Non, mais genre, tu peux vraiment pas, t'as une co qui te permet pas de pouvoir jouer à Brawlhalla? À ce Non, point-là? mais pas ça en fait, c'est juste que ma co elle est niquée. Bah ouais, mais gars, pourtant, t'arrives toujours bien à nous parler. Mais en fait, je t'ai expliqué, mec. Sur mon PC ça marche pas, sur mon téléphone oui. Voilà. D'accord, je vois. Je comprends pas, mais en fait, je crois que c'est. Ce qui me semble que j'avais vu, le câble Ethernet, il passe entre les briques de ma maison. Genre, il y a un endroit, ils ont pas mis de ciment, c'est juste pour faire passer le câble Ethernet. Oh putain, ouais, mais c'est chiant ça. Bon, bah écoutez, je sais pas quoi faire. J'ai quand même promis au moins à Strabi de faire une partie sur Brawlhalla. Donc je vais au moins faire une partie de Brawlhalla en vous parlant. Et puis après, on se fera une partie de Loup-Garou si on en est réduit à ça. Et c'est quand même malheureux. Est-ce qu'il y a Brawlhalla sur iPad? Sur quoi? Non, Sur tu... mon truc de merde là. Je ne sais pas ce que c'est quoi? Mon iPad. Ton Je crois, ouais, faudrait que tu vérifies, mais je crois. Je suis pas sûr. Bah après bon, pas la peine de m'attendre à lancer le truc. Ouais, bah je l'ai lancé là, mais en vrai, le jeu, j'y ai joué qu'une fois, c'est marrant, c'est un petit... Ou alors on joue à PUBG sur mobile. Non, jamais. Pourquoi pas jouer à Fortnite sur mobile? Ou à Fortnite sur PC, ça fera des vues. Oui. Bah oui, tu dois Non. t'appeler Michou surtout, hein. Appelle-toi Michou maintenant. Alors, j'ai découvert une nouvelle météorite sur Fortnite, ça tourne mal, explication. Oui, voilà. Exactement. Quand tu fais Ouais, c'est... code for LAN, tu fais « Oh mais non, ne donnez surtout pas 100 euros !»« Oh mais il est fou, il a donné 100 euros !»« Oh, ne donnez pas 200 !»« Non, non, oh il l'a fait Ça pourrait être !» marrant en vrai. Il s'est fait mastune, hein. Mastune. Alors attends, spectateur. Bon, j'essaye, j'aimerais bien choisir, mais je peux pas jouer. Bon, c'est du brin. Attendez, j'envoie un message à Pépère parce que je peux pas jouer. Mais vous jouez pas, donc c'est nul. Je vois. Bah moi il faut le temps que je télécharge le truc de merde, ça pourrait aller vite mais m'attendez pas donc. D'ailleurs, moi, quand je vais au cinéma maintenant, je colle les tickets sur mon mur. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Bah De moi quoi? je vais faire les tickets. Ah ouais? Moi, je les colle sur mon mur. J'ai commencé depuis quand? Attends, je vais te dire depuis quand j'ai commencé. Alors, c'est juste con parce que comme la matière est biodégradable, tu as le nom de la séance qui s'efface au bout d'un an. Donc moi, au bout d'un moment, je les jette les billets. J'ai Dunkerque dessus. J'ai Dunkerque qui s'est toujours pas effacé, hein. Ouais. Bah, Dunkerque, là, il est... Ouais, non, mais c'est de l'encre de bâtard, hein, moi, dans mon cinéma.
Ah, j'ai Terminator Dyslexie qui se barre un peu, mais je veux dire, en quoi, depuis Terminator à Miss Peregrine, j'ai vu 4 films au cinéma, donc c'est pour dire. Hein. Mais vraiment, depuis Dunkerque, j'en ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Voilà. Ah ouais, quand même. Oui. Ben, ton porte-monnaie de 1 a dû morfler. De 2, ben, ton cerveau a dû morfler aussi. Bon, après, je dis ça, mais j'ai quelques doublons. Hein. En fait, j'ai juste... Je crois j'ai deux fois Ready Player One, deux fois Dunkerque. Bah, oh ouais, mais genre, t'es allé voir deux fois Dunkerque, toi. J'ai quatre fois Coco. T'es allé voir quatre fois Coco. Mais t'es. Non, je pourrais pas aller voir un Disney Pixar de quatre fois, moi je pourrais pas, hein, c'est mort. Même les Indestructibles, hein, je me ferais pas ce plaisir. J'ai été voir deux fois. J'ai été voir deux fois Coco, mais j'ai les tickets d'une amie à moi. Ah ouais, d'accord, ouais. Bah, je vois pas pourquoi tu l'as réclamé en double, alors. Je suis con, mais... non, mais j'ai pas été voir 4 fois, j'ai été voir 2. C'est déjà pas mal, quand même, hein, pour un Pixar. Ouais, ouais. Bah, moi, je suis allé voir Coco juste pour faire... Bon, bah, au moins, j'aurais vu un bon film Pixar dans ma vie, au cinéma. Juste pour ça. C'est le seul bon film Pixar que t'as apprécié, toi? Non, le seul film Pixar que j'ai vu au cinéma qui était bien. Putain, mais Jojo, il a pas pleuré devant Coco, quoi. Mais bah ouais, mais je commence à me parler poliment. Hein. Déjà, Coco, c'est pas si triste que ça. À la fin, ça se termine bien. Il y a un mec qui crève et tout, mais c'est pas dramatique. Ouais. Enfin, si, c'est dramatique et tout, mais c'est juste que moi, tu sais, j'aime Mathieu, je ne pleure jamais. Oui, lui, il est putain d'insensible, hein. Je rigole pas, c'est la vérité. Ah, bah Zaiden, il veut se battre avec toi. Et je peux le comprendre, le seul Pixar bien, mec, t'exagères. Mais j'ai pas dit que c'est le seul Pixar bien, j'ai dit c'est le seul Pixar bien que j'ai vu au cinéma. Ouais, mais quand même. Je trouve que tu exagères. Attends, j'écoute en tout. Ouais, c'est bien, nickel. Ouais, mais genre, t'as vu qu'un seul Pixar au cinéma, ça m'étonne. Non, j'ai vu Toy Story 3, mais c'est de la merde, donc bon. Ah bah, ouais. Toy Story 1 et 2, c'est bien, mais le 3, en fait, ils ont juste fait la même chose que le 2. Enfin, faudrait que je revoie le film, hein, parce que je l'ai pas revu depuis, mais bon. Ah, moi, je l'ai vu en 2010, au cinéma à Braine-l'Alleud, c'était trop de la merde, la 3D, elle était niquée, il y avait une pause dégueulasse en plein milieu du film. C'était une des pires expériences cinématographiques que j'ai eues avec Terminator Dyslexie. Enfin non, en fait ça allait parce que le film était bien, mais je veux dire, les mecs ils font une pause et ils cassent le focus de la 3D après la pause, quoi. Sérieux, c'est quoi pour un cinéma déjà de faire une pause et de casser le focus? Vous êtes sérieux? C'est scandaleux. Moi, y'a pas ça au ciné-centre, hein. Au ciné-centre je me mets, je regarde mon film et c'est bon, hein. Pas besoin d'une pause à la con pour aller dans le château gonflable à l'entrée, hein. À l'entrée, hein. Je te rappelle Mathieu, ce que Maxime il avait dit là, genre t'avais dit au ciné-centre, il a fait au ciné-centre comme ça. De quoi? Mais genre Maxime, genre je sais pas, t'avais dit ah, je suis allé voir Avengers 3 au ciné-centre. Il s'était foutu de ta gueule. Mais en vrai, Dunkerque, j'ai été le voir deux fois, j'étais fou moi. Mais vous êtes fou. Mais Dunkerque, mec, c'est le premier film de Nolan que j'ai vu au cinéma, parce que, putain, je suis un putain d'attardé. Mais c'est vrai, je suis un attardé, moi. Bah, moi, le premier que j'ai vu, c'était Dark Knight Rises, et ça me fait chier. T'avais pas vu Interstellar au cinéma? Non, parce que... La musique dans la salle de cinéma... Oh, t'as loupé un truc. Mais je sais, j'ai loupé un truc, mais aussi, moi, je m'en serais tapé sur la nouille, hein, parce que j'avais quel âge en 2014? Bah, tu fais le calcul. Tu me demandes quelque chose, là. Je te demande quelque chose de trop difficile. Ouais, j'avais 12-13 ans, donc je m'en foutais un peu, quoi. Non, t'avais 12 ans, pas 13 ans. Bon, calcul mental, c'est pas corsa, hein. Mais bon, on fera avec.
Mais ouais, mais du coup, j'ai quand même beaucoup évolué en 4 ans. Hein. Faut pas croire non plus. Hein. Alors moi j'ai vu Dark Knight Rises et ça me fait chier parce que j'aurais préféré voir le Dark. Je vais reprendre. Au lieu d'aller voir Volt, ce film de merde là, putain. T'as dit du mal de Volt? En fait, je Volt? m'en rappelle plus du film, donc bon, je dis ça comme ça, mais bon. T'as un problème avec Volt? Non! Ah, moi Non j'aime mais, bien attends, mais moi j'ai l'action. adoré Volt à l'époque, ça m'avait marqué. J'avais adoré l'amour entre le chien et sa maîtresse. L'animation. J'ai fait tomber mon casque. L'animation qui était super bien faite. La direction artistique qui était Un film du mois. super. Enfin, j'ai adoré Volt, moi. Enfin, j'ai même Un la film du peluche. mars. Ça, c'était déjà mieux que Toy Story 3, hein. J'ai même la peluche qui tire des rayons laser. C'est te dire. Non, Toy Story 3. Okay. Toy Story 3 est meilleur. Bof, ouais, c'est de la. Toy Story, ça a gâché la trilogie, quoi. Bah pour moi non, hein. Franchement c'était sympa. Et franchement, bah aussi en plus t'as l'évolution des personnages et tout, mec. Je veux dire, il y a quand même plein d'évolutions de personnages hein, dans Toy Story 3. Il n'y a rien à voir avec le 2. Hein. Là t'as des personnages qui ont évolué et tout, quoi. Bah, je sais pas, mais j'avais. Quand Toy Story, j'avais bien aimé Volt. Mais Toy Story 3, je m'étais fait chier dessus. Enfin, je m'étais fait chier en regardant le film quand j'étais petit, je sais pas pourquoi. Bah moi ça m'a fait chier parce qu'il y avait une pause en fait au cinéma et je déteste quand on fait ça. Le film dure 1 heure, 2 heures. Allez, il dure 2 heures je crois. Oui, il dure 2 heures, ouais. Voilà, 2 heures. Les mecs ils font une pause quoi. Qui fait une pause pour un film de 2 heures? Vous êtes sérieux, mais putain, mais c'est trop débile. Merci papa. 2 heures ça passe tout seul quoi. Et eux ils font une pause. T'imagines? Oh. Horrible. C'est comme les gens qui regardent des films en 4 jours, quoi. Ils regardent une demi-heure par jour. Mon Dieu. Une demi-heure par jour donc. Mais comment tu peux faire ça une demi-heure par jour? Il y a des gens, ils font ça, ils regardent un film en 4 jours. C'est pas. Ouais, mais non, après, t'as du mal à reprendre, t'es pas pris dans l'ambiance, c'est chiant. Et voilà, et c'est pour ça que j'aime pas les pauses. Ouais, mais non, c'est pas bien, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal du tout. Bon. Non. Moi j'aurais été déjà bien content d'aller voir Dark Knight Rises hein, au cinéma. Bah ouais, mais en même temps, moi, tu sais, je suis quelqu'un de sévère, hein. Je veux voir des bons films, c'est tout. Bon, hein, moi, franchement, avec l'ambiance sonore déjà de Dark Knight Rises, j'aurais été sur les tours. Oh, ta gueule. Je veux dire, mec, juste la scène d'intro, elle te met dans l'ambiance, quoi. Là, t'es là, ok. Là, on n'est pas en train de vous hobby, hein. Là, on est à la pétanque, hein. D'accord. Mais la pétanque avec des boules en feu, hein. Ouais, quand même. Et des boules de démolition, de boulettes de démolition, hein. Imagine une pétanque avec des boulettes de démolition, mec. Ça, c'est la pétanque hardcore, hein. Ouais. Bon. C'est bien beau. Bon d'accord, je vois qu'il y a deux vues. Enfin non, une vue du coup vu que je regarde, bah c'est magnifique. Personne. J'aimerais savoir où se trouvent mes 2700 abonnés. Mais bon. Oh. C'est C'est pas là ils que sont je m'en. Je pense qu'ils ont piscine, c'est pour ça qu'ils peuvent pas venir. Là, ils ont piscine. Ou ping-pong. J'aime bien le ping-pong. Qui suit les matchs de foot là en ce moment? Pas moi, j'aime pas pas moi. C'est bien, vous aimez pas le foot, ben on a un point commun. Ouais. Ah Bah non. encore, en fait, j'aime pas regarder, mais dans la vraie vie, c'est quand même de temps en temps amusant, je trouve. Ouais, enfin, genre moi je veux te dire, la dernière fois que j'ai vraiment suivi en détail ce qui se passait, ben c'était à l'Euro. Ah. C'est te dire que je ne suis que dalle. Donc Moi, la seule fois que je me suis intéressé au foot, c'est quand j'ai joué 2 fois au kicker dans une maison jeune. C'est vrai, genre. Mais Le kicker, c'est le baby-foot hein, aussi. j'aime pas. Ah oui, non, si, le baby-foot, c'est bien. Moi, j'aime bien le baby-foot. Bah, c'est le kicker, enfin nous on appelle ça kicker chez nous. Il y a pas longtemps, j'ai appris à jouer au. Comment on appelle ça? C'est débile, hein. C'est tout con, c'est le billard.
Ah bah c'est moi j'aime bien le billard moi. Billard. Bah ça va, moi j'ai déjà joué, mais je suis un peu nul. C'est... Bah moi j'aime bien la pétanque. Bah ouais, la... En fait, Espèce de moi je joue vieux. plus de club, hein. Plus de Enfin, c'est club. bien là. Avec vos clichés là, oh, c'est un truc de vieux. Je veux pas imposer les clichés, monsieur, mais bon, je veux dire, au bout d'un moment, quand tu regardes les statistiques, soyons d'accord pour dire que plus de 70% des personnes qui jouent au ping-pong ont plus de 70 ans, ou sont à la retraite, ou sont plus proches de la fin que du début. Oui, ça, non, ouais, je sais. Mais Moi, je pense y a quand même... à la cour Enfin, d'entraînement, je ouais. suis pas content. Attends. Oui, non, mais c'est bon, je rigole. Je peux comprendre que tu veuilles aimer la pétanque, c'est Non, bon. mais c'est bon, je le prends pas mal, pas la peine de t'excuser. Non, mais c'est tout. Je veux dire, je vais pas juger tes goûts. Mais j'ai Voilà. compris, voyons. Non, mais c'est tout. Je veux dire, on est tous ouverts ici sur le Discord. Enfin, je veux dire, même si t'étais. Voilà. Donc, j'arrive pas à connecter cette putain de manette. Et puis après, on se fait une partie de loup-garou, si vous avez rien à faire. Ah, moi je veux bien, peut-être. D'accord. Je vais juste essayer un truc. J'arrive pas. Comment on fait pour connecter une manette? Ah oui, on fait comme ça, accessoirement. Ah. Avec une manette de quoi en fait? De PS4. Une DualShock 4. Ah, pas mal. Ouais, enfin, c'est une manette de console, quoi. Oui, voilà. C'est rien d'exceptionnel, tu vois. Bah, surtout qu'en fait. Ils ont rien à changer. En fait, c'est la même manette que celle de la PS3, quoi. Il y a juste un pavé tactile de merde qui sert à rien au milieu. Ouais, enfin, la DualShock 4, elle a quand même eu une grosse avancée, déjà en termes d'art, comment, de design artistique, puis même en termes d'utilisation. Attends, elle est carrément plus pratique, hein, tu peux pas dire ça. Bah, oui, c'est Bon. vrai. Ok, entre la manette de la PS2 et de la PS3, j'entends, tu vois, la PS2, t'étais obligé de la mettre en filaire, tu pouvais pas la enlever le fil. Donc ça, quelque Ouais. part, quand t'y réfléchis, c'est chiant. Mais je veux dire, Bah ça va, quoi. Enfin, je veux dire, c'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool. oui. Surtout par contre, il y a eu un truc, parce que moi j'ai eu ça. Hein. Mais vu que la PS4, mon père l'a acheté, c'était les premiers modèles, hein, c'était genre juillet 2014, hein, quand moi j'ai eu la PS4. Et du Ouais. coup, en fait, tu vois, j'ai eu le problème avec les sticks analogiques, qu'en fait, plus je jouais. Mais en fait, plus allez, les sticks, ils se cassaient comme ça. En Ouais, fait, je tu vois, vois. le plastoc autour du stick analogique, il se dégradait. Ah oui, ouais, mais ça c'est tout le temps, c'est au fil des années, c'est la partie la plus fragile de la manette, ça. Ouais, mais moi, j'ai pas eu ça avec ma PS3, hein, mais là, putain, moi, ça, j'étais là, c'est pas très agréable, quoi, quand tu joues avec un stick cassé comme ça. Ouais, c'est casse-cou. Après, j'ai vu aussi, t'as des sites qui te permettent de personnaliser tes DualShock, mais genre, ça peut aller jusqu'à 150 euros, tu peux même rajouter des touches et tout. Un peu comme, tu sais, sur une souris de PC, tu peux ajouter jusqu'à plus de 6 touches en plus. Enfin, c'est un délire de malade. Mais ça, c'est stylé, je trouve, tu vois. Enfin, c'est stylé, mais ça coûte cher. Par Bah, contre. après, moi j'ai pas d'argent donc bon. Je te Je suis comprends, bah. De pour. toute façon, même si j'en avais, perso, de l'argent, j'irais pas user mon argent Oui, pour une voilà. thune. Pour tuner une manette, franchement, y a pas spécialement d'intérêt, quoi. Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Attends. Ouais, enfin bref, qu'est-ce que vous voulez? Bon, sinon, vos vacances, du coup, vous en êtes où? Vous avez fait quoi jusqu'à maintenant? Moi, je vais partir au Bénin le 10 juillet. Au Bénin, c'est où le Bénin? La géographie, vous êtes pas très fort, monsieur. Moi, En Afrique. si ça va. Ah oui, non. Désolé, je suis pas branché au niveau de l'Afrique. Je connais le Wakanda. Ça existe même pas. Vous avez vu aussi qu'il y avait un mec qui avait fait une comment carrément un exposé sur le Wakanda, et puis sa prof elle avait carrément tout avalé, elle avait vraiment cru au mec. Ah bon? Bah on va regarder, tape ça sur les réseaux sociaux, tu vas voir, je te jure, ça a fait le buzz de ouf. Le mec il s'en est sorti avec bah ils sont dus sortis en fait avec je sais Comme pas, quoi, genre un 17 ou un 16, un truc comme ça. Tout hein? ça Ah, quand sur même. le mec. Ah ouais, je te jure, c'est Faut un voir de délire. l'action, ça, après. Faut pas que ce soit le prof de géographie, hein, quand tu fais l'exposé. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ah, bah je viens de me rendre compte que je viens de perdre 6 abonnés. Ah.
D'accord. Ah, Bah c'est le live d'accord. ça. Écoute, moi Super en depuis un an, bon, crédibilité. ça, je fais plus de vidéos depuis un an non plus, hein, mais moi je perds des abonnés en fait depuis un an. Ouais, mais ça c'est souvent le problème quand t'es pas très actif. Mais c'est compliqué aussi, je veux dire, déjà entre les examens que tu veux prendre au sérieux et aussi le temps de préparation des vidéos, je veux dire, au bout d'un moment. Enfin, je veux Enfin, dire, c'est même, moi, galère. tu vois, une vidéo avant, je mettais à peu près 2 à 3 heures pour les monter. Parce que je suis un putain de gros autiste qui bâcle ses vidéos. Ouais. Et du coup, enfin, surtout parce que je le faisais pour le fun, quoi, mais genre, j'en faisais au moins une par semaine ou une toutes les 2 semaines, quoi. Enfin, ça va, quoi. Ouais. Il y a un an, c'était pas énorme. Mais du coup, ouais, j'avais eu 100 abonnés à un moment. Parce que j'ai pas été très loin, et un an après, j'en avais 118, je crois. 118. Non mais franchement, c'est à rien y comprendre. Des fois, j'ai l'impression que je gagne plus d'abonnés en foutant rien qu'en foutant quelque chose. C'est... Ouais. Enfin, sauf là, hein, je veux dire, je vais pas juger, j'ai gagné je sais pas combien d'abonnés en peu de temps. Mais je veux dire, c'est flagrant, quoi. C'est vraiment par période, quoi. Autant tu peux passer plus d'un an et demi avec 400 abonnés, autant à l'espace de 2 mois, tu peux choper, je sais pas, 2000 abonnés, enfin... C'est vrai qu'en fait, ouais, parce que, enfin, pour une fois, YouTube a été quand même efficace, hein, pour un truc, parce que c'est avec les recommandations que j'avais découvert ta chaîne. C'est par les recommandations, et c'est ça que je comprends pas. Comment ça se fait que ma chaîne elle a été dans les recommandations? C'est ça que je comprends pas en fait. Parce que peut-être le pic d'abonnés comme ça, et parce que je m'intéresse au cinéma, et que YouTube, du coup, il fait, ah, il aime bien les vidéos Ouais, mais non, mais cinéma. justement, c'est les recommandations qui m'ont permis ce pic d'abonnés, mais en temps normal, j'aurais rien eu. Donc, je sais pas, quelqu'un peut te recommander? Non, c'est pas possible, c'est l'algorithme qui fait ça. Ouais, bah du coup en fait je sais pas, il y a eu un pic d'abonnés, puis du coup ça l'a recommandé pour... Bah faut croire que l'algorithme m'a bien apprécié ces derniers jours, mais bon là ça fait plus effet, hein. Je crois que je suis plus dans les Ah ouais, recommandés, mais mais... maintenant t'as fait ton buzz, hein. Du coup maintenant il te met sur la liste noire des gens qui ont déjà fait le buzz. Oh, fait chier, c'est nul. Enfin le buzz, j'ai pas vraiment fait le buzz. Hein. Enfin moi j'appelle pas Ouais, ça un buzz. mais je pense qu'ils doivent avoir un truc comme ça, hein, parce que... Maintenant, qui a encore des vidéos de Cortex dans ses recommandations? Ouais non ça c'est mort mais putain. Ah ça m'arrive encore de regarder un peu Cortex, surtout Clash de Cyprien, ça me fait Regarde délirer. le Triomphe de la Galère. Ouais. Je pense la meilleure c'est la vidéo de Morsa où il fait ça c'est une grosse fusée. Pour. Enfin, je sais Je pas si sais tu vois la pas. vidéo. Tout ce que j'ai vu de Morsa, c'est lorsqu'il voulait se présenter aux élections présidentielles. Ah dommage. Bah Non, c'est... regarde la chatte à ta mère, la race, la pute. Je Ça c'est regarde, ouf. j'avoue, il n'y a pas une vidéo sans insulte. C'est ouf. Mais juste, c'est génial. Une fois, j'avais fait une YouTube poop sur un panda moqueur. Là, je sais plus pour. En fait, j'avais fait ça parce que je m'ennuyais. Et sa vidéo, c'était être petit. Du coup, j'avais appelé ça être PD. Et Morsaï, en fait, t'as tout pour faire une YouTube poop avec. Du coup, j'avais mis petit con. Et voilà. J'adore Morsaï. Moi, je l'adore. Bah, surtout qu'en fait, c'est marrant parce que quand tu le vois maintenant, Morcette, tu dis qu'il a vraiment, il est beaucoup moins con qu'avant. Ah bah il est vieux hein, maintenant. Ça fait 10 ans qu'il a fait Ah ouais, si. le clash de Triomphe de la Galère. Bah ouais. Il a quel âge maintenant? Il Je a sais pas. plus de vingtaine. Ah ouais, bah tiens, tu vois. Non, Non, moi c'est j'ai de la du mal à reconnaître chimie. son. Bon, après, je l'ai vu que 3-4 fois sur le net. En vrai, Cortex et Morseille, en vrai, si j'avais pas vu les clashs de Cyprien et tout, ou les vidéos critiques, j'aurais pas fait attention à ce genre de personne. Mais alors, genre, vraiment pas. Ah! Enfin, ah ouais, mais c'est un truc de fou, moi j'aurais même pas du tout fait attention. Enfin bref, c'est pas le genre de jeu auquel je fais spécialement attention, mais. Ouais, c'est fou. Donc je disais, vous pouvez pas jouer à des jeux Steam là, genre pas du tout, c'est mort. Même avec un jeu qui pèse à peine quelques mémos, c'est pas possible. Bah moi je peux peut-être mais Bon, en fait, enfin il y a Mohamed Mehadji, un truc comme ça, et il a 37 ans. Qui a 37 ans? Il s'appelle Mohamed Mehadji ou un truc comme ça. Alors attends, je bidouille, faut Attends, que je sinon je peux te relance. mettre un petit extrait audio Ouais, vas-y, vas-y. de...
Vas-y, bah, envoie le lien, je vais regarder. Oh, je peux joindre. Oui. On avait fait comme ça parce qu'avant je faisais mes petites vidéos de maghrébins là et. Dans toutes mes vidéos il y avait des trucs de morsailles dedans donc. Quel délire. J'ai fait une vidéo David Lafarge plagie morsailles, c'est pour dire. Hein, donc, Bon, y a toujours que. Ouais, bah au moins j'essaye. Hein. Bordel. Ouais, puis je continue à perdre des abonnés en fait. C'est triste. Ma soeur. Alors, on fait un direct? Oui, je fais un direct. Bah pourtant, moi je trouve qu'elle était pas mal ta vidéo là. La fin d'Hollywood là. C'est gentil parce que franchement, bon après, c'est pas méchant, je veux dire. Tout avis critique est bon à prendre. J'ai vraiment l'impression que. Honnêtement, que on l'a critiqué, mais je trouve assez sévèrement. Enfin, je veux dire, dans le sens, tu me diras, c'est dans le Discord du CCU, donc quelque part, c'est des gens qui s'y connaissent un minimum, tu vois, qui ont... Enfin, je veux dire, qui sont très difficiles en termes de cinéma. Mais, ouais. Genre, on m'a sorti comme premier argument, du coup, que je disais que notre avis critique n'était pas assez développé dans les années 80. Donc, déjà, je dirais oui et non, tu vois. On me dit que j'ai fini quand je dis ça, machin. Je dirais qu'à la fois oui, à la fois non, parce que effectivement, t'as des critiques qui critiquaient déjà en profondeur les films, tu vois. Mais d'un autre côté, le public était moins attentif au code hollywoodien, au code d'écriture scénaristique et tout ça. Donc, je trouve que j'ai raison d'un certain point de vue, en fait, mais pas totalement. Et, d'un autre côté, on m'a aussi critiqué le fait que je disais... Attends, je disais quoi? Ah oui, que le cinéma coûtait plus cher parce que les moyens de production coûtaient plus cher. Alors que ça ne se limite pas qu'aux moyens de production, et ça par contre je suis un peu d'accord. Ça joue aussi avec les produits dérivés, ça joue avec la publicité, enfin... Pas mal de trucs qui rentrent en jeu que j'ai pas spécialement abordé. Et ça c'est pas faux. Enfin, je trouve qu'il y a rien de réellement, j'ai envie de dire, gênant... Moi je vois, mais... Gênant. Comme d'accord quand tu dis que les gens faisaient moins attention. Il y avait la période du nouvel Hollywood avec, je sais plus, avec c'est les Dents de la Mer, ça a commencé, non? Ouais, non, tu sais, je saurais même plus te dire. Hein. Ah, je sais oui, plus oui. Reconnaître les noms, hein. Spielberg... Il y a eu... Bref, il y a eu plein de films cultes, quoi. Ça a commencé avec les Dents de la Mer, je pense. Puis il y a eu tous les Le Parrain, Apocalypse Now, et tout, tous les films géniaux, quoi. Ouais. Et... Après, peut-être pour les films de Spielberg, les gens étaient... Vu que c'est plus des films qui, je trouve, sont basés sur le fun, un peu. Mais du coup, les gens, peut-être qu'ils réfléchissaient pas trop. Moi, j'en sais rien, j'en sais absolument rien. Et du coup, pour eux, c'était nouveau. Ils étaient là, ah, c'est génial, quoi. Évidemment, aujourd'hui, on se dit pas, ah ouais, il y a de l'action 10 sur 10, on est plus là, il y a ça qui va pas trop, c'est un peu mal rythmé, des trucs comme ça. 3, 2, 1, brawl. Ouais, je sais pas. Après, je donne des exemples de films au hasard comme ça. Hein. Non, mais t'as bien raison. Mais le problème, il est là, c'est que le nombre d'exemples, il est tellement vaste. Enfin, je veux dire, c'est compliqué de donner un exemple concret, tu vois. C'est ce qu'on me dit. On me dit, ouais, c'est bien, tu t'exposes une idée, mais je veux dire, tu donnes pas d'exemples concrets. Enfin, je veux dire, par exemple, à un moment donné, je parle de Marvel. Je parle d'Avengers, et à ce moment-là, je dis quoi? Je dis que Marvel, ben, d'un certain point de vue, ben, Marvel, il est très, comment dire, très film de commande, tu vois? Et ouais. Puis on me fait, ouais, enfin, exagère pas, Avengers, c'était un très bon film et tout. Je dis pas le contraire. Mais, enfin, au bout d'un moment, c'est pas parce que j'ai pas mis Thor 2 et non Avengers que c'est forcément une mauvaise vidéo, tu vois? Bah ouais, mais tout genre de choses, ça crée, il y a... C'est, ouais, c'est... Du coup, ça crée des genre, t'as un peu ces snobs là qui dans le cinéma ils disent genre ah ouais, toi t'as pas de bon goût, si t'aimes pas ce film, c'est que tu connais pas le cinéma. Moi, ce genre de personne, ça me casse le cul, putain, ça m'emmerde. Ouais, et je sais que ça part d'une bonne intention, tu vois, la personne elle veut te donner des conseils, mais c'est juste que tu te dis merde, j'ai passé je sais pas combien de temps à m'y mettre. Oui, voilà. Ouais. J'ai passé je sais pas combien de temps à m'y mettre. Et. Enfin, merde, quoi, c'est carrément chiant. Je veux dire, si on vient de critiquer sur le moindre détail et qu'on met pas vraiment en valeur ce que tu sais faire. Si, on m'a quand même dit,
t'es fort en montage. J'ai fait merci, c'est gentil. Enfin, tout ne concerne pas que le montage. Si tu me dis la vidéo est belle, mais c'est de la merde dedans, je vais pas être content. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, je sais pas, après c'est vraiment subjectif. Genre, il y a eu une mode, il y a genre un ou de dire si la vidéo, il y a un propos intéressant, mais que le montage, il n'y a pas assez de zoom ou de trucs de filtre fluo ou de je sais pas, que c'est pas incroyable quoi, la vidéo est merdique si le montage est nul. Enfin, que le montage est pas assez incroyable. Ouais, mais. Je veux dire, il y a plein de youtubeurs américains. Bon, je veux pas dire des youtubeurs de merde, mais genre I Hate Everything. Allez. Je sais pas moi. Ralph the Movie Maker, enfin vous dites c'est qui ces gros cons. Bah eux ils font des montages tout simples. Et... Ouais, mais au moins leur truc il est concret quoi. Oui, voilà, c'est intéressant. Ils donnent leur avis, ils sont pas forcément tout le temps le même avis que la plupart des gens quoi. Ouais, et c'est également ça que j'ai tendance. D'ailleurs, c'était qui? C'était toi ou pas qui m'en avait parlé de. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis allé voir là, tu sais, l'américain qui n'utilise que des extraits de films en fait, qui se limite à ça, je sais plus comment il s'appelle. Just Do It, enfin non, comment c'est? Je sais plus. Je sais plus. Enfin, on s'en fout. Ouais, bah ce mec là, je trouvais qu'il c'était intéressant. Genre, il parlait de cinéma de genre, il parlait de films d'horreur, enfin, il parlait de pas mal de trucs. C'était intéressant, ouais. Puis je veux dire, il faisait pas un montage de malade à la In The Panda, écran incurvé, enfin, je veux dire, c'était. Ouais, pas, ouais. Là, c'était pas un truc de malade quoi. Mais bon. Je veux dire, ça restait du bon contenu. Et je m'en rends compte encore maintenant, il y a plein de youtubeurs, je veux dire, qui font de l'excellent contenu, même s'ils sont pas très à l'aise en termes de montage spécialement. Je veux dire, c'est pas ça qui détermine la qualité d'une vidéo, je veux dire. Et voilà. En partie, bien sûr, mais voilà, quoi, je veux dire, il faut pas voir que ça. Et ça rejoint un peu le système des miniatures. Si t'es pas fort en miniature, les gens, ils auront pas tendance à cliquer, et ça se trouve, c'est un truc super, quoi. Bah pourtant il y a des gens qui sont sûrement moi après je fais pas de montage, je suis pas youtubeur, mais des gens qui sont sûrement pas forts en montage et qui font leurs vidéos Fortnite ça tourne mal et qui font des miniatures avec plein d'émojis de oh des explosions à la con là. Oh, ça c'est des cancers, ça me saoule, les youtubeurs cancers qui n'ont que ça qu'à foutre, ça me saoule. Juste pour essayer de gagner du fric, et je suis sûr qu'ils en gagnent même pas, mais qu'ils en gagnent à peine. Je suis pas le plus connaisseur dans le sujet, mais enfin tu le sens qu'il y a un blème quoi, c'est. Mais en fait, d'un côté tu. Enfin, je veux dire, c'est un peu des salauds, ceux généralement des trucs à la con comme ça, et qui font genre « Oh, mes abonnés, c'est mes amis » ou des trucs comme ça. Ouais, non, et... je viens pour ton contenu, je viens pas pour toi. Oui, voilà, c'est... Enfin, quoi, t'as dit quoi? Enfin, je veux dire, enfin, j'exagère, genre je dis « je viens pour ton contenu, je viens pas pour toi ». Tu viens pour lui, genre, je veux dire, tu dis bravo pour son contenu, tu oui, voilà. Le respect, tu vois, t'es content, voilà, tu peux même apprécier la personne si elle est super sympa et tout. Enfin, je veux dire, le mec, c'est pas non plus parce que il fait des vidéos que tu dois lui dire, mec, je te respecte, enfin, tu vois ce que je veux dire, le mec, tout de suite, il fait des vidéos Fortnite, le mec, il a 2000 abonnés, il doit avoir plus de respect qu'un mec qui a 20 000 abonnés, quoi, tu vois. Oui, enfin, voilà. C'est là qu'il y a un problème, et ça m'agace. C'est comme, genre, par exemple, vu que Mathieu, il est... Genre, il y a plein de fois des gens de la classe genre, qui disaient « Ouais, tu parles, t'as 100 abonnés » ou je sais pas quoi. Mmh. Alors que les autres, là, ils font... Il y en a qui ont des millions d'abonnés et qui font encore moins bien que lui. Après, ah ouais, non mais c'est clair. C'était excellent, c'était vraiment la merde. Hein. Je faisais n'importe quoi, moi. Hein. Bah, c'était genre... moi, je parle tes trucs de 2016-2017, enfin, je veux dire. C'était pas... Bah je faisais incroyable, ça pour le mais... quoi, mais je mettais, c'était pour le fun et je mettais quand même un rythme de vidéo de une par semaine au moins, mais des fois je faisais juste pas du tout de vidéo. Ouais voilà, mais c'est difficile, t'as du mal de te maintenir un rythme parce que t'en as, ils ne misent que sur ça quoi, ils réservent le trois quarts de leur temps à consacrer énormément de temps de à leur chaîne et je trouve ça pas spécialement sérieux quoi. Je veux dire, je veux dire, mec, moi, ce que je fais, je le fais avec passion quand j'ai le temps. J'ai pas spécialement le temps tout le temps, tu vois. Je peux très bien sortir deux vidéos en une semaine, comme je peux en sortir une en deux mois. Enfin, tu vois, c'est carrément variable. Donc, c'est ça qui est chiant. Franchement, des fois, il y a même des vidéos où j'étais vraiment pas content de moi parce que je me souviens d'une que j'avais fait où c'était vraiment.
Moi, j'avais tourné le mercredi. Enfin, j'avais fait, ouais, je fais une vidéo par semaine tous les mercredis. Ça a pas tenu très longtemps, hein, mais en général, j'essayais de les mettre le mercredi. Et genre là, je l'avais tourné le mercredi, je l'avais monté le mercredi du coup. Et je l'ai mis avant de partir chez mon père vers 17h, quoi. Et j'étais rentré chez moi à 14h. Donc, c'est pour dire. Des fois, oui, faut pas s'imposer de rythme déjà. Et aussi, YouTube s'est cassé, ça sert plus à rien. Ouais, Parce non, que mais YouTube. ouais, mais enfin, je te dis, si, enfin, je me répète, je suis pas le seul à le dire, mais si, il y a une, je veux dire, un, s'il y a, je vais y arriver, une autre plateforme vidéoludique aussi grosse que YouTube qui se met à exister et que, je veux dire, elle a autant de succès, moi je pars dessus direct, hein, tu vois. Enfin, je dis ça comme les autres YouTubeurs, mais le pire c'est que c'est vrai, quoi. Après, je veux dire, un mec comme moi, je veux dire, je suis quand même bien gêné pour les droits d'auteur, mais je suis pas spécialement gêné pour la monétisation, déjà parce que j'en mets pas de monétisation. Mais je veux dire, tu sens le problème, rien qu'en voyant les tendances, tu te dis qu'il y a un blème, quoi, et que quand tu vois que t'en as plein qui galèrent et que t'en vois, ils font des vidéos prank et qui ont plus de, je sais pas combien de millions d'abonnés, ça Mais dégoûte, ça va, quoi. hein, les pranks, ça commence à diminuer. Là, même les vidéos Fortnite, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins dans les tendances. Bah Fortnite, ça va passer, c'est une tendance, tu vois. Oui, Les c'est comme pranks. Pokémon Go. Pokémon Go, ça a duré 2-3 mois, grand maximum, quoi. Ouais, ça a duré pendant genre toutes les grandes de 2016 là. Après, on n'en a plus entendu parler, mais Fortnite quand même, c'est assez fort quoi. Genre, c'est PUBG, ça a duré quelques mois, je pense. Fortnite, ça fait depuis presque un an apparemment. Non, ça fait pas un an, c'est juste que c'était un jeu de merde qui ressemblait à Minecraft qu'ils avaient fait en 2010. Et ils ont sorti un truc Battle Royale, et comme c'était gratuit, bah les mecs ils ont commencé à sucer le jeu là pour aucune raison. Parce que c'est Fortnite mais en gratuit quoi. Bah après, j'ai entendu quand même, je veux dire, apparemment le jeu est pas si pourri, quoi, mais bon, c'est pas révolutionnaire, quoi. Bah c'est un peu une copie quoi, Lequel? c'est le PUBG du Lidl quoi. Ah ouais, il y a H2Z1? eu... H2Z1? Non, Fortnite. Ouais, enfin, non, je dirais qu'H1Z1, c'est le PUBG du Lidl, et pourtant, je sais que le jeu, il est vieux, et maintenant, il est gratuit. Je l'ai testé, j'ai pas aimé, mais Fortnite, non. Je trouve que Fortnite, en vrai... Objectivement, je trouve que Fortnite c'est un très bon jeu. C'est un jeu qui vaut le coup d'être joué. La direction artistique, je veux dire, les designs un peu cartoon du Oui, la jeu, moi je trouve direction que c'est artistique, elle super est bien. stylé. Le jeu en soi, il est super bien, je veux dire. Et puis, le fait qu'il fasse un Battle Royale, c'est pas de la triche ou rien. PUBG en a fait un, mais je veux dire, c'est un mode de jeu comme un autre. Je veux dire, entre un Battlefield et un Call of Duty, t'as un jeu de mort par équipe, je veux dire, on va pas dire que c'est de la triche, tu vois. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment. Bon, par contre, que Call of Duty fasse un Battle Royale. Pour ça me gêne, Aïe. mais voilà, parce qu'ils quittent un peu leur délire. Mais je veux dire, Fortnite, ça détruit un peu son image dans le sens où tout le monde n'a pas arrêté d'en faire. Du coup, t'as un effet overdose qui se crée. Du coup, Oui. maintenant que tu vois Fortnite, tout de suite t'as une pensée négative, alors que Fortnite, objectivement, c'est un très bon jeu. Et en fait, c'est surtout, c'est ça que c'est un peu dommage, parce que, comme tu dis, apparemment, moi je sais pas, apparemment il est bien, comme tu dis, mais du coup, le jeu prend tellement de place que ça. Du coup, les gens peuvent oublier d'autres jeux qui peuvent potentiellement être super bien, voire même mieux. Et du coup, les gens oublient les autres jeux, en fait. Bah je sais pas, quel genre de jeu tu parles par exemple? Bah, je sais pas, moi, imaginons. Genre, j'ai aucune idée, moi. Je veux dire un jeu au hasard. The Last of Us, non. Spider-Man, imaginons Fortnite, on le voit encore un an, ce qui est impossible, parce qu'il va pas arriver, je pense. Ce serait horrible, hein? Bah, Non, pas. et du coup, Spider-Man, imaginons, un jeu indépendant qui est bien et qui, normalement, si Fortnite n'était pas là, les gens en parleront, mais vu que Fortnite était là, les gens vont pas en parler. Ouais, putain. Vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais de toute façon, c'est le coup à chaque fois. Je veux dire, si tu as le malheur de sortir ton jeu à la même période que Fortnite, c'est mort, quoi. Bah T'auras pas le oui. bénéfice Ça va être compliqué, quoi. Donc, Oui, forcément. Et de toute façon, c'est le même principe pour les films comme les jeux. Je veux dire, tu crois quoi? La bande-annonce d'Avengers 3, elle a plombé le film de Justice League. c'est. Ça a Oui. été le même C'est bien principe fait, ça. avec je sais plus quel jeu là. Il y a Death Stranding en ce moment qui fait un buzz phénoménal en termes de vidéos promotionnelles. Bon, Square Enix, ils se sont totalement foirés à l'E3 là, je trouve, en termes de salon, enfin de conférence. Genre, ils ont à peine.
ils ont à peine montré une bande-annonce de Just Cause 4, mais ils en ont montré une, mais elle était un peu à chier. Kingdom Hearts, ils ont pas montré de nouvelle image. Enfin, voilà quoi, c'est Kingdom Hearts, quoi, y a pas de... Ils ont pas montré de nouveaux jeux, on va montrer que des jeux que je connais déjà, quoi. Genre le nouveau Tomb Raider, on dirait une copie du précédent. Nouveau Tomb Raider, ben oui, ils avaient dit qu'il allait avoir un nouveau système, et c'est vrai que de ce côté-là, je suis... Enfin, je ne trouve pas non plus, c'est vrai ce que tu dis. Merde, je vais mourir. Ah, fais chier. Mais après Tomb Raider, moi perso, je trouve que pour ce qui est de l'histoire, c'est super intéressant. Je veux dire, moi j'ai... En vrai, le premier, j'ai été fasciné par l'histoire, j'ai adoré. Le deuxième, c'était pas mal. C'est juste que les graphismes, ça bouffe. Hein. Même pour un PC de compète, ça bouffe. Tomb Raider 2. Et Tomb Raider 3, bizarrement, les graphismes, ils sont pas terribles, je trouve. Bah, en fait, j'ai regardé, je trouve pas ça si moche, mais c'est juste sûr, en fait, c'est un aspect un peu genre... T'es là, en fait, ils auraient pu plus... En fait, ça rend le jeu moche. Il aurait pu être plus beau, quoi. Je sais pas, ils ont un peu... Direction artistique, en fait, niveau, c'est un peu un gâchis, quoi. Bah, je sais pas. Après, est-ce que c'est parce qu'ils ont pas fini le jeu Est-ce que c'est parce que ils sont carrément pas au point en termes de modélisation? J'en sais rien, mais en tout cas, s'ils ont voulu faire une vidéo propositionnelle qui donne envie, ils ont... à mon goût, ils ont pas réussi. Ça donne pas envie. Contrairement aux deux premiers que t'as eu, franchement... s'ils étaient intelligents, ils agiraient comme Naughty Dog. Naughty Dog, avec The Last of Us, ils ont été intelligents. Genre le jeu, ils ont fait quoi? Bon, un peu plus de la moitié, mais je veux dire, il y a un bon 40% qui n'est pas fait dans le jeu, tu vois. Bon, et ouais. Ils ont été intelligents, ils ont pris une partie vraiment terminée, c'est-à-dire la partie avec Ellie, et ils ont bien affirmé, ils ont reprécisé que la partie avec Ellie, c'était pas du tout on va dire un retouché, enfin un gameplay retouché, tu sais. Ouais. Et ils ont confirmé qu'il y aurait pas de downgrade sur la version finale, mais pourtant il reste 40% de développement, à tel point qu'ils ont même pas annoncé la date de sortie du jeu, quoi. Donc tu vois, ils sont intelligents. Pour par exemple Kingdom Hearts, un jeu qui est censé sortir jusqu'en septembre parce qu'ils arrêtent pas de repousser la date, ouais. Même pas de vidéo de gameplay. C'est mais pas normal. Si, il y a eu du gameplay pour Kingdom Hearts 3. Ouais, enfin, du gameplay qui date de quand, franchement. Enfin, je sais plus. Il y a eu quoi, genre quoi, le monde de réponse ou Toy Story, je sais plus. Bah, il y a eu un peu de gameplay le 3, mais genre c'était des passages de quelques secondes et ils coupaient après. Ah ouais. Pense, tout comme ça. Ouais, j'ai joué aucun Kingdom Hearts, mais franchement, il m'intéresse, mais je crois pas que je les aurai un jour. Bah moi, j'ai les deux sur PS2. Bah ils sont ça en train de les remasteriser en plus, je crois. Genre, il y a le 1 ou le 2 qui a été remasterisé sur PS4, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Il y a pas de VF. Il y a pas de VF. Non, il n'y a pas de VF sur les remasters, il y avait un pack. Ouais, enfin c'est de la voice FR, mais ça c'est comme les Final Fantasy. À la limite que ce soit pas français, je m'en fous. Mais genre les Final Fantasy 15, je veux dire bon, je l'ai fait en français mais j'ai aussi fait une partie de la campagne en voice FR, ça me gêne pas. Mais voilà, c'est pas le langage qui me gêne moi, mais je veux vraiment qu'il traîne pas sur le... Oh merde, en fait depuis tout à l'heure, je réponds pas aux commentaires, je fais pas attention. Bonsoir, bonjour. Ouais, bah j'ai pas dit bonjour, bah ils sont tous partis. Putain, je suis con. Oh le con. Enfin bref. Mais ouais, je sais pas. Sinon vous attendez quoi de particulier dans le gaming? Hein? Ah merde. Film de guerre. Hein. Ah merde, j'avais coupé mon micro, j'ai pas fait attention, je parlais tout seul. I am the best. Yes. Je disais quoi du coup? Non bah... Ouais, je disais juste... juste voilà. Et vous attendiez quoi? Quoi? Et il y en a pas dans les remasters, et c'est dommage. Parce que Richard Darbois, et j'ai pas besoin d'argumenter pourquoi c'est mieux du coup Richard Darbois que les versions originales en fait. Oui, parce que les versions originales, elles sont moins naturelles bizarrement, et c'est pas normal ça de ce côté-là. Richard Darbois. Et ça c'est un grand manque pour toute l'humanité. Franchement, Richard Darbois, c'est la vie. Je veux dire, c'est le meilleur doubleur sur la Terre. Hein, donc, Ah ouais, quand même. Yeah. T'es à fond toi comme ça. C'est un bon jeu, c'est tout. Ouais. Et c'est pas objectif, hein, mais bon, je m'en fous. De toute façon, l'objectivité, c'est...
Ferme ta gueule. Tu l'as déjà dit hier, c'est bon. Le sang de tes mains. Petit con. Tu vas aller rejoindre Schlaghetto dans la cave. Bah heureusement qu'avec vous, j'active pas la monétisation. Ils vont pas voir ça sur 3 heures de live. Non, mais je pense. Déjà, je sais pas si je vais vraiment faire 3 heures parce que le live, mais... objectivement, il sert à rien. En fait. Ah, mais il y a déjà plus de commentaires que sur mes lives à moi. Ouais. Ah oui. Ouais. Après, je sais pas, apparemment. Après, je sais aussi que sur Steam, généralement, c'est plus facilement regardable, en fait. Mais est-ce que sur YouTube, genre les mecs, c'est tellement buggé qu'apparemment YouTube, les mecs, ils prennent même plus la peine de regarder, enfin c'est casse-couille. Ouais, mais en fait moi j'avais fait un live, sauf que c'était le pire live du monde. Genre j'avais envoyé sur... Mais là il y avait des gens en plus, hein. À ce moment-là il y avait 5 personnes, j'étais là, ouah, mais j'en ai jamais eu autant. Mais genre, le live, rien n'allait quoi, c'était mal, j'avais mal cadré GoldenEye. Ça laguait parce que j'avais des problèmes avec l'émulateur et j'avais mis une version de merde de OBS, là les dernières versions qui sont dégueulasses. Ouais. C'est quelque chose, hein. Honnêtement, moi j'arrive à mieux. Enfin, je fais mieux tourner les vieilles versions d'OBS que les premières que celles de maintenant, quoi. Ah ouais, genre t'arrives pas à faire tourner la nouvelle version? Ah bah OBS, moi c'est juste le OBS tout court, hein, que j'arrive à faire tourner. Sinon, OBS Studio, moi je lag sur tout, quoi. Alors que OBS normal, ça va. C'est quoi OBS Studio en fait? Bah, OBS Studio, c'est le nouveau OBS. C'est celui que tout le monde a en téléchargement direct. Bah, je sais pas, c'est celui que j'ai? Je suis pas sûr. Bah, je pense, hein, c'est celui où il y a les. Bah, j'ai téléchargé la dernière version là, il y a pas longtemps. Bah, voilà, c'est OBS Studio, mes couilles là. Et, mais comment ça se fait que t'arrives pas à l'utiliser? Bah, si j'arrive à l'utiliser, c'est juste que je lag comme un porc pour une qualité. Comme les anciens OBS, il n'y a rien qui change. Et... Sauf les blagues, c'est dégueulasse. Ah ouais, tiens. Ouais. C'est bizarre quand même. Il y a de ces trucs, des fois je comprends pas. Peut-être que les premières versions ou quoi, je te jure, c'est hyper bien optimisé. Parce qu'il n'y avait rien en fait. Là, ils ont rajouté une chier d'options qui sert à rien. C'est vrai ce que tu dis. Et en parlant de Tomb Raider, j'ai un carton publicitaire dans ma chambre de Tomb Raider. Le premier sur PS1. Le premier sur PS1? Ouais, il y a le frère de mon beau-père qui avait demandé à un vendeur, « Ouais, tu vas le garder, ton carton Tomb Raider devant le magasin, là ?» Et du coup, il a fait « Non ». Et du coup, il l'a pris, il l'a ramené sur sa moto. Ah, vas-y, peinard. C'est vraiment qu'il voit, putain, c'est genre un JPEG de Lara Croft en petite pose qui est collé sur le truc, mais c'est tellement beau. Ouais. C'est magnifique. Bah, moi, après, j'aime bien En fait, j'ai le jeu depuis des années, mais j'ai toujours pas terminé, ça me fait chier. Et franchement, la preuve que c'est vraiment vieux, en bas du carton, attention, il est mis... PlayStation, parce que c'était même pas la PS1 du coup avant, c'était juste la PlayStation, PC, CD-ROM et Sega Saturn. Voilà, là on est sur quelque chose d'époque. Bah, Sega Saturn est sorti en même temps que. Ah oui, bah. C'est la 5ème génération de console, je pense, je sais plus. Il y a juste son bras qui se barre en couille où on a mis du papier collant, mais sinon ça va quoi, c'est en bon état, c'est magnifique. En plus, à chaque fois que je vois ton affiche là, Mathieu, je vois. Genre, tu vois les vieilles pubs de merde là. De quand ils vendaient Lara Croft sur PS1 et qu'ils arrêtaient pas de la sexualiser. Regarder la décoration ou acheter le jeu. Dans quelle version du jeu? Laquelle? Les anciens? De quoi? Non, je disais, tu parles de quelle version de Lara Croft? Ah non, et moi je disais juste que genre. Avant, en fait, ils sexualisaient tout le temps Lara Croft pour faire genre « Oh, regardez comment achetez le jeu !» Ouais, enfin, ils le font encore, enfin, même dans le film. Moi, je trouvais que ça allait dans... Enfin, ouais, non, elle est toujours en train de gémir, en train de faire « Ah !» Je suis blessé, oh. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je trouve. Après, chacun a son avis, mais moi, je trouve que ouais.
Enfin bref, mais sinon, t'as déjà joué toi au premier, toi, Sky? Avec les seins pyramidales, oui. Tu les as terminés? Non. J'ai joué, mais j'ai jamais fini la campagne. Je me souviens même de l'histoire. T'as un peu mal vie avec les contrôles, je trouve. Enfin, moi, personnellement, j'arrive à jouer, quoi, mais. C'est très lent, quoi. Disons que le système de déplacement, il est totalement différent du nouveau système. Je veux dire, le système. Bah, il y avait même pas vraiment de système d'infiltration, en fait. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Genre, t'avais des ennemis, tu devais direct aller leur défoncer la gueule. Bah, ouais. Puis, par contre, les boss. Ouais, ça dépend lesquels. S'il y en avait, ils étaient casse, quoi. Je me rappelle juste qu'à chaque fois il y avait ces animaux de merde là. Genre dans le 2 au début, je sais plus, t'avais un tigre qui t'attaquait. Ouais. Puis après t'avais une énigme. En fait c'était assez bien foutu, mais le problème c'est que du coup pour les gens qui sont vraiment pas intéressés par. Enfin, les gens qui aiment bien les jeux rétro quoi. Ouais. Ou pas rétro, bon ça c'est un autre débat. Mais qui préfèrent quand c'est plus dynamique, là c'est vraiment pas le bon jeu quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi je sais pas, enfin, toujours est-il que ce jeu là j'y ai joué un petit moment tu vois, mais après ça m'a vite saoulé. Par contre s'il y a bien une licence que j'ai torché comme un malade, c'est les Uncharted. J'ai adoré, bah, de toute façon le T-Dog j'adore tout ce qu'il fait. Genre j'ai torché les Uncharted, mais comme jamais. Bah moi j'ai joué au... Enfin je termine, je te laisse terminer. Non je dis j'aurais rien de spécial, il y a que le Lodge et les Jassis là, le tout dernier j'ai pas joué. Bah apparemment le 4 il est bien, il est genre au niveau du 2. Le 4 ou Lost Legacy tu parles? Non, je parle pas de Lost Legacy, je parle du 4. Ah, tu parles du 4? Ouais, bah le 4, moi j'ai adoré le 4, franchement j'ai kiffé. Ah, parce que en fait, je veux dire, genre il y avait un cousin qui était venu, je sais plus quand, il y a plein de mois, et du coup j'ai pu jouer en au jeu quoi. Et puis, sauf que le truc chiant, c'est qu'en fait j'ai l'impression que c'était vraiment court en fait le jeu. Mais il est court, mec. Matt se fait des films, il a dit, je l'ai fini en une après-midi. Ouais, non. Ah, pour finir en une après-midi, il faut être à fond, quand même. Oui, mais apparemment, lui aussi, c'est un fan record de Uncharted, mais il avait dit, ouais, 60 balles pour une après-midi, ça fait quand même mal. Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately. Mais après, moi j'ai terminé le premier sur tu vois l'édition PS4, la remaster là. Ouais. Bah, franchement, je trouvais ça cool, mais le scénario était un peu bof. J'ai entendu que le 2 est beaucoup mieux. Mais genre, je sais plus, le 1 à la fin ça partait vraiment en couille avec les monstres et tout là. C'est nulle part. Genre, ça m'a fait penser au premier Far Cry en fait. C'est Indiana Jones, hein. C'est Indiana Jones, c'est. Mais pas du tout. Enfin, si, non. Si, ça ressemble, hein, je comprends la comparaison. C'est le même style, c'est le MacGuffin, c'est... Ouais. Ouais, bof. Uncharted, sa meilleure histoire. Enfin, après, c'est mon avis, mais bon. Bordel, mais j'ai le droit. Mais genre, oui. Mais le premier, en fait, il y avait... Je sais pas si toi, t'as joué au premier Far Cry, Sky. Oui, j'ai joué à tous les Far Cry. Ah bah... Sauf Blood Dragon j'ai pas joué par contre. Bah tu vois, à la fin du premier, il y avait un truc où t'avais genre des monstres qui débarquaient vers qui part comme ça. Oui, mais ça dans les Far Cry, de toute façon ça part toujours en couille, mais ouais, je joue pas. Ouais, c'est genre on chantait à la fin du premier, c'est vraiment pensé à ça en fait. Puis après le scénario, genre ça partait un peu en couille, genre... Je sais pas, c'était cool, mais c'était un peu oubliable quoi. Genre ma sœur perso... parce que j'ai entendu personne à dire ça, mais en fait, ma soeur, je pense, c'est la seule personne qui préfère les deux derniers Tomb Raider aux quatre derniers Uncharted, en fait, parce qu'elle dit que, genre, niveau gameplay, on est plus libre, entre guillemets, on a plus de possibilités, enfin, c'est pas très original, mais on peut crafter des trucs à la con, comme ça, le scénario est plus intéressant, apparemment. C'est hyper scripté, hein, parce que j'ai vu les... Bah, pour lequel Uncharted est scripté aussi. Non, Tomb Raider, apparemment, il est encore plus scripté. Oui, c'est toujours scripté les derniers. J'ai vu Rise of Tomb Raider, j'ai vu un let's play de genre du grenier. Et oui, c'est hyper scripté. Et t'as même un truc qu'ils ont repris des jeux Arkham, et ça m'a vraiment fait marrer. C'est que elle a la bad vision aussi, Lara Croft. Ouais, ah, mais oui. Ça, c'est dans plein de jeux.
Ça c'est le l'instinct, je crois, c'est la vision de l'instinct ou un truc comme ça. C'est l'instinct de survie. Mais ça, c'est le même principe, hein, je veux dire, c'est comme les Assassin's Creed, Batman. Ça me fait juste marrer qu'elle puisse voir à travers les murs, quoi, et faire « Oh putain, il faut que il y a ça dans Assassin's Creed aussi. Ouais. Bah, autant ouais. Assassin's Creed, ça se justifie d'une certaine manière. Mais bon. Ouais, vu que avec le truc, l'histoire de merde, je sais plus comment ça s'appelle, bref. Genre, t'as un truc, des passages où tu joues en dehors de l'époque où c'était tout le jeu. Ouais. Mais ça, ces passages-là, ils sont vraiment chiants. J'ai terminé que le 4, et franchement, niveau scénario, c'était genre, ça descend nulle part. Ah, en fait, t'es dans un truc en train de rêver, genre, que ça pourrait faire un truc intéressant, mais ça gâche le dynamisme du jeu, en fait, je trouve. C'est vrai ce que tu dis, en plus. Ouais, je sais pas. C'est comme Mathieu, là, avec les pauses pendant que tu regardes le film. Je voulais regarder Lincoln aujourd'hui, mais j'ai pas regardé. Moi j'ai commencé à regarder Solo, c'était de la merde. Enfin, encore je trouve que ça va en fait. T'as vu la fin? Ah non, t'as pas vu la fin. J'ai juste regardé le début de Solo. Mais quand t'auras vu la fin, franchement faudra qu'on en reparle. Parce que j'aurais matière à dire. Parce que la fin, je trouve, c'est carrément révélateur de ce qu'ils essaient de faire et c'est honteux. Fin, il y a un caméo dégueulasse de... Ouais, mais non, pas Dark Maul. Non, ça je sais déjà, je sais déjà. Je parle pas de Dark Maul, moi je suis pas contre l'apparition de Dark Maul, mais je suis contre autre chose. Et moi ça me faisait quand même marrer quand il sortait son sabre laser et qu'il l'allumait devant l'hologramme, c'est genre « Regardez, fanservice !» Ouais, j'ai pas trouvé ça dérangeant. En fait, on a demandé au réal pourquoi. Et il a dit qu'en fait, sinon, on pouvait supposer que c'était un autre Zabrak et que ça faisait pas trop Dark Maul. Et c'est là que tu te dis, mais putain, t'es con. La planète de Dark Maul a été détruite. Bon, bah voilà. Donc, voilà. C'est une excuse bidon pour dire, regardez, j'ai mis un site dans le film de Solo. Mais je suis pas contre ça non plus, tu vois. Là, par contre, je trouve que je suis dur. Parce que l'histoire du sable, bon, d'accord, c'est gros comme une maison. Mais je veux dire, quelque part, c'est logique. Je veux dire, voilà, pour du fanservice, c'était carrément prévisible qu'il allait faire ça. Après, moi, ce qui me gêne, c'est la fin avec Solo, ce qui se passe, enfin, le lien qu'ils font avec la trilogie originale. Je trouve que c'était trop gros. Ah oui, que Solo, genre, il... Ouais, enfin, spoil pas, mais franchement... La base de la rébellion, je sais pas quoi, une connerie comme ça, qu'ils ont vraiment voulu faire... Ah, regardez, c'est lié, MDR... Chier. C'est comme quand le mec il fait ouais sur Tatooine faudrait que tu me retrouves, j'ai une affaire. Mais qu'est-ce que tu parles? Et puis après il y a des gens qui font des pétitions pour décanoniser Star Wars 8 et pas Solo quand même. Ouais, mais la pétition elle est partie maintenant, je pense. Elle sera jamais prise au sérieux, la pétition, de toute façon. Puis après, les types qui font « Ouais, on a engagé, on a besoin d'un budget pour Disney, enfin de Disney, et on va faire le film nous-mêmes. » C'est ça, ouais, allez faire un Star Wars vous-même. N'importe quoi. Ça va être filmé comme les feux de l'amour, la lumière elle sera dégueulasse, la mise en scène elle sera faite avec les couilles. Je suis sûr, ça va être... franchement, même s'ils le font, c'est impossible. Ce sera dégueulasse, quoi. Ce sera vraiment de la merde. De toute façon, moi, le seul Star Wars que je trouve bien, c'est l'épisode. C'est un peu de la chiasse. Hein. J'aime pas la prélogie, j'aime surtout pas le 2. Le 3, ça va, mais le combat à la fin, c'est le seul utile dans la prélogie. Et en plus, il est trop long et trop spectaculaire. Du coup, bah, finalement, tu l'oublies un peu. Moi, j'aime bien Jar Jar. Ouais, moi aussi. J'adore surtout quand il faisait de la politique. Ouais. Mais non, mais franchement, l'épisode 1, ça va, mais ils auraient pas... En fait, l'épisode 4, ils auraient jamais dû faire de suite avec Star Wars. Bah oui, c'est ça, en fait, surtout que... C'est juste... Moi, je trouve ça un peu étonnant quand j'entends chaque fois des gens dire « Mais Star Wars, ça doit être un événement !» Alors qu'on y réfléchit, il y a plein de sagas, genre Star Trek. Enfin, je veux dire, ok, Star Trek, c'est plus vieux et les films ont moins de succès, mais Star Trek, il y a quand même encore plus de films. De quoi ? En fait, ils ont juste voulu faire comme Star Trek, enfin, pas vraiment, mais... Bah oui, ouais, un peu, enfin... Parce que Star Trek, ça arrivait avant Star Wars.
L'histoire de Star Wars est différente, quoi, mais je vous dis, je suis sûr, ils auraient juste fait l'épisode 4. Il y aurait aussi eu sûrement une suite maintenant en 2000, dans les années 2010, quoi. Et ça aurait été du niveau. Enfin, je pense qu'il y aurait eu moyen qu'ils fassent quand même une suite s'ils n'avaient pas fait de suite dans les années 80. Tu vois, genre, ça aurait été un peu comme Blade Runner, quoi. Moi, je pense qu'en fait, la trilogie de base se suffit à elle-même. Oui, voilà. Je veux dire, je suis pas fan de la trilogie d'original ou la prélogie, même si je trouve la trilogie originale mieux. Mais bon, au final, je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de raconter le passé? Enfin, c'est intéressant, hein, mais vu la manière dont c'est fait. Mais faut pas que ce soit quotidien. Faut pas que ce soit quotidien. Faut que ce soit exceptionnel. Je veux dire, Rogue One, c'était exceptionnel, c'était bien amené, j'ai adoré. Solo. Et maintenant, ils ont annulé le spin-off sur Obi-Wan. Je vais pleurer. Oui, je sais, c'est parce qu'à cause, c'est Disney. Mais surtout qu'en fait, je trouve que Disney, c'est vraiment con. Genre, les gens, Disney, ils ont dit eux-mêmes que Solo va bider avant qu'il sorte. Ouais. Parce que vu qu'ils sont. Alors bah, pour la thune. Hein. Mais même, ils ont rien. Mais putain, s'ils avaient un minimum. S'ils avaient un minimum de jugeote, ils sauraient que Obi-Wan, ça va fonctionner de. Ça pourrait fonctionner de ouf. Il y a carrément du potentiel. Mais putain, mais franchement, c'est des. Oh non, je vais pas insulter en live, mais franchement, c'est des. Et je veux dire, Catherine Kennedy, bon, ok, elle est pas. Elle gère pas tout, mais. Je veux dire, ils sont capables de te foutre un film comme Solo. Et dire que voilà, c'était prévu, ça allait pas être terrible, machin, mais ils te le font quand même, mais ils sont pas capables de te faire un putain de film Obi-Wan qui a un très gros potentiel. C'est honteux, après, je trouve. Obi-Wan, hein, je vais te dire, moi, j'en ai un peu rien à foutre. Parce que, bah, il y a déjà eu la prélogie, et voilà. Bah, moi, perso, de toute façon, au final, film sur Jakuy ou Obi-Wan ou tout ce que vous voulez, il faut juste qu'il. Moi, je veux juste qu'ils fassent un bon film, enfin, selon moi. Mais malheureusement, Star Wars, ils en font pas souvent, donc. Bah, franchement, dans les épisodes bien, quoi, il y a la première trilogie, il y a l'épisode 8 et Rogue One, je trouve, pour moi. Et même moi, vu que je suis un gros connard, Rogue One, bof. L'épisode 5, l'Empire contre-attaque, il est dans les meilleurs, mais quand même bof. Et l'épisode 6, c'est de la grosse chiasse. Genre, c'est dans les moins bons avec le. Avec plein d'autres épisodes, je sais pas, bof quoi. Ouais. Mais t'as refait les Star Wars en décembre, mais c'est pas ça, franchement. Hein. J'en suis quand même à un point où j'ai même pas envie de faire une vidéo sur la prélogie. J'ai fait la vidéo sur la trilogie originale, je sais pas si vous l'avez vue. Moi j'ai vu. Ouais, franchement, je veux dire, moi Star Wars, je m'en fous complètement maintenant. Vraiment, c'est depuis 2015 en fait, et Star Wars 7 il m'a tellement refroidi. À part Rogue One, je me suis dit ah, hein. Et après Star Wars 8, je me suis dit hein, ouais. Et puis après, bah non. Alors moi, en fait, en plus, ce qui me fait surtout, je trouve le plus incroyable, c'est que je sais pas si vous avez entendu parler de ça, hein, mais vu que Disney, il y avait même, genre, apparemment Kathleen et Rian Johnson, ils disaient carrément que c'était de la faute des fans que Star Wars 8 a échoué, ou enfin, pas échoué, il a gagné plein de trucs, hein, mais qu'il y a eu des critiques autant mitigées et tout ça. Et que Solo a échoué aussi, parce qu'il y a pas envie, encore cette polémique avec les JW ou je sais plus quoi. Et que genre, du coup, en fait, ils avaient dit, il y a des gens qui disaient, ouais, mais le fait qu'il y a des personnages, genre avec, je sais pas, la meuf, là, dernier Jedi avec les cheveux roses, là, ou je sais plus quoi. Et, oui, le capitaine machin, ouais. Ouais, ouais, elle sert à rien, de toute façon. Non, j'ai bien aimé son personnage. Oh, moi, elle me fait chier. Bah, j'ai bien aimé dans le sens où. Elle est plus symbolique qu'autre chose. Elle symbolise vraiment le côté dévoué à la cause, tu vois, le côté fidèle. C'est-à-dire que tu peux douter d'elle autant que tu veux, mais au final, elle va se faire exploser avec le croiseur, ce qui nous donne une scène des plus incroyables. Ouais, la scène était bien faite, mais le problème, c'est que j'ai pas d'attachement. On la voit genre aller une minute au total. Ouais. Donc je m'en prends, quoi. Ils sont plans, là. Moi, j'ai même pas retenu son plan avec eux. Léa ou je sais plus quoi, et pourtant j'ai revu le film au début du mois de juin, hein, mais j'ai déjà oublié, quoi.
Mais si tu veux, moi, il y a quand même un truc qui m'a fait marrer, c'est quand t'avais la scène où elle faisait la kamikaze là avec le vaisseau dans la salle. Ça me fait toujours marrer parce qu'il y avait des gamins et du coup, ils disaient, quand il y avait plus de son, ils faisaient pourquoi il y a plus de son comme ça? Mais qui est con. Bah, c'est des enfants, quoi. Le son. Alors que de base, tu pourrais te dire que dans Star Wars, t'es dans l'espace, techniquement, tu devrais jamais avoir de son. Mais bon, je veux dire, avec toutes les conneries que Michael Bay il a donné aux enfants là à faire des boum boum dans l'espace, hein, avec les navettes qui volent comme des avions et les navettes qui décollent d'un astéroïde où il n'y a pas de gravité. Enfin, je veux Ouais. dire. Perso, en tout cas, je préfère un Ramageddon à Star Wars. D'ailleurs, bah, je vous ai pas dit, mais à Disney, il y avait une attraction. Bah, c'était pas une attraction, mais c'était un ce qu'on appelle un ben Un roller une pièce coaster. de spectacle. Et ils voulaient exposer les effets spéciaux d'Armageddon. Bon, mis à part le fait qu'ils te prenaient pour un con et qu'ils t'expliquaient en long, en large et en travers ce qui était qu'un fond vert. Ben, genre, c'était tellement malaisant. J'en parle juste comme ça, c'est une anecdote. Genre, ils ont totalement reproduit les décors, tu sais, de la base qui se fait percuter par l'astéroïde au début du film. Et genre, tu dois. En fait, genre, c'est bien fait ça par contre. C'est que genre, t'es carrément dans une station spatiale, t'as les fenêtres, et dans l'espace, avec les fenêtres, tu vois carrément la Terre, l'astéroïde qui arrive. Et genre, au moment où l'astéroïde il fait l'impact, tu dois faire. Ah, tu sais crier. Et puis, genre, t'as du gros feu qui s'allume, et puis genre, t'es enregistré dans une séquence vidéo. Et ça fait genre comme dans le film et tout. Mais c'est tellement malaisant. C'était. Enfin, voilà, je voulais juste raconter ça. Même moi, Okay. j'avais eu un débat comme ça dans des commentaires avec des mecs qui disaient hey, Armageddon, super film. Moi, j'avais dit que c'était de la merde, ils avaient pété un câble. Enfin, j'ai pas envie enfin, de dire pourquoi j'avais dit que c'était de la merde, puisque je le dis à chaque fois à tout le monde. Mais... En gros, je disais que le film il était nul et il est chiant et que ça te prenait pour un con et que c'était pas réaliste. Et que du coup, il disait ouais, des gens qui font qui trouvent du pétrole, ils vont dans l'espace. Pour détruire un astéroïde, alors que bon, déjà c'est débile parce que il fore, je crois, 200 mètres dans le sol, bombe à la con, alors que l'astéroïde il est hyper gros. Enfin, je veux dire, c'est comme poser la bombe sur la surface de l'astéroïde, mais même comme il n'y a pas de gravité sur l'astéroïde, puisque c'est qu'un astre qui flotte dans l'espace comme ça, quoi. Bah, normalement, elle pouvait déjà pas rester dessus, puis après. S'il le casse, ça aurait divisé l'astéroïde en deux bouts, qui aurait fait plus de dégâts sur la Terre. Puis après, la Lune passe pile à l'endroit où il y a l'astéroïde, du coup, pour que les astronautes puissent faire un cro... Enfin, bref, j'ai pas envie d'expliquer pourquoi. Puis après, la navette, là où ils avaient mis de l'alu, et putain, ils avaient mis un machine gun sur un véhicule lunaire, quoi. C'est quoi Ouais. cette idée, mais putain. Moi, Après, je j'aime trouve que bien. l'espace, eh ben, il est plus réaliste que ça, alors que c'était 4 mois avant qu'ils aillent sur la Lune qu'il est sorti. Et les mecs, ils m'ont sorti. Ouais, fais un film d'abord, et après on en reparlera. Et ça, c'est un film qui me fait marrer à chaque fois, parce que ces types, c'est... Oh! Ça veut dire que techniquement, dans le raisonnement, on peut déjà pas dire que le... Enfin, Ça va aller, ça va aller. Waouh. Le mec, il va faire un malaise tellement il aime pas. Tu Mais t'en non, mais les sortiras. mecs, ils font ouais, mais critique pas parce que t'es pas réalisateur, du coup tu peux pas dire bah pourquoi tu dis qu'il est bien le film. Techniquement, t'es pas réalisateur, du coup tu peux pas dire s'il est bien ou mauvais selon sa logique. Tu peux dire s'il est bien ou mauvais, mais c'est juste que tu peux pas. Non, selon leur logique de tu peux pas dire si c'est mauvais si t'es pas réalisateur, ce Oh qui est. non, mais non, c'est eux, ils ont pas à imposer. Ils peuvent imposer leur avis, mais ils peuvent pas imposer une logique, c'est pas possible. Et du coup, ça veut dire que s'ils sont pas réalisateurs, du coup, non plus, ils peuvent pas me dire que je dois être réalisateur pour dire que c'est de la merde. Bah non. Putain, ça me fait marrer. Et du coup, je ressors l'exemple de, ouais, est-ce que t'as besoin de t'appeler Thierry Marc pour dire qu'un plat est dégueulasse, quoi? Sérieux, c'est quoi ces mecs qui bouffent de la merde et qui font, oh, oui, c'est très bon, enfin... Est-ce que c'est comme ça? Enfin,
J'ai même pas envie de parler d'Armageddon. S'il vous plaît, on va arrêter tout de suite. Eh ben arrêtons de parler d'Armageddon. Moi je veux bien parler d'autres films à part Marvel et DC. Vas-y, 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 vas-y. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a vu Training Day? Non. Non. Oh, voilà. Bordel. Non, bordel, bah chacun a ses méconnaissances, donc moi je ne critique pas. D'accord, vous avez pas vu... Vous connaissez John Woo, non? Quoi? Comme film? John Woo. C'est un réalisateur. Ça me dit quelque chose de non, attends. C'est un chinois. Il fait les face-à-face en mode de hyper près, là. Mais non, c'est pas lui. John Woo, il est connu pour avoir fait le casquette. Ça... En toute honnêteté, ça ne me dit rien du tout. Le syndicat du crime. Ah si, ouais, ça, oui, clairement, ouais. Ouais. Oui, voilà, ben, c'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a fait Volteface. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et il a fait plein de films géniaux, même si je suis en train de regarder tous ses films, même si j'ai l'impression qu'il a quand même baissé au fur et à mesure des années en qualité. C'est celui qui a fait Volteface qui a Volteface. Non. De oui. Quoi c'est bah oui, c'est lui qui a fait le film, avec Nicolas Cage et... Allez, putain, John Travolta. Ah oui, putain, ouais. Et voilà, bah, ce film génial, celui qu'il a fait. Mais c'est pas son meilleur film, mais franchement, je vous conseille de regarder cet autre film aussi. Même si après, c'est pas des films ultra connus, mais on s'en fout. Mais est-ce que... Oh, j'ai envie de remonter Orange Mécanique en version film muet, l'année 30 ou des trucs comme ça. T'aimes bien les films muets, toi, dis donc. Je sais pas, ça m'intéresse. En fait, je me suis surtout... The Disaster Artist, tu l'as vu? Ah ouais, il était génial. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Moi, j'ai adoré. À la sortie européenne, c'est-à-dire la date de sortie des Blu-ray québécois. Du coup, en streaming, comme un gros fils de pute. Ah, mais... Aucun cinéma le distribuait, donc... Mais c'est ça qui est ultra chiant, en fait. Ils privilégient tout le temps les gros posters, souvent, et tout. Mais jamais les films qui peuvent même être mieux que genre, je sais pas moi, d'autres films blockbusters de merde. De toute façon, j'allais pas me bouger jusqu'à Imagibray, mec, pour aller voir une version VOSTFR d'un film. Mais le The Astor Artist, il est même pas sorti à Imagibray. Sérieux, mais c'est quoi cette... Je suis pas sûr, hein. Enfin si peut-être, mais je sais pas, mais... Moi ça me fait chier, j'ai vraiment aimé le film. En plus, mais oui, moi aussi, mais en plus il y avait pas de VF, c'est qu'au Québec qu'il y avait eu une VF. Ouais. Ah ouais? Il n'y avait quand même pas eu, quoi. C'est vraiment au Québec qu'ils ont... Ah bah oui, hein, c'est qu'au Québec hein, qu'il y a eu la VF. Ici, il n'y a mais... pas de... Je pense que c'est à cause, parce qu'ils n'avaient pas de doubleur pour faire la voix de Tommy Wiseau et tout, je sais pas. Au Québec, ils ont une loi pour qu'ils traduisent tout en français. C'est pour ça que t'as, pour le film Ghost, ça s'appelle Mon fantôme d'amour. C'est une loi. Waouh. Tu vois ça. Tu vois le film Ghost avec comment elle s'appelle là, la noire. La noire là. Mais t'as vu Ghost avec le type qui se faisait tuer là et du coup il devait faire un truc à sa femme là avant de partir au paradis ou un truc comme ça. Ah oui. Au Québec ça s'appelle pas Ghost, ça s'appelle Mon fantôme d'amour. Voilà. Ouais, tout de suite c'est moins crédible. Ouais. Et salut coup, la machette. T'as la scène de la mort des parents de Batman, mais avec un type, avec un blond. Genre. Sérieusement. Oui, ouais, non, mais c'est un type, c'est un espèce d'arabe comme ça, parce que les méchants, c'est toujours les arabes. Hein. Ce racisme. Bah écoute, le mandarin dans Iron Man 3, hein. Moi je me suis dit, ouais, c'est lui le méchant. C'est un américain. Mais bon bref. Non, enfin le mandarin, le faux mandarin. Oui, mais c'est un américain. Un américain? Ouais. Il a des origines arabes, on sait pas. Ouais, je crois, je sais pas. Ah bah j'en sais rien. Ouais. Ah, j'ai pas non. Fait vraiment la recherche. Tiens d'ailleurs, ça me fait penser, vous l'avez vu le one shot, le Marvel one shot sur Iron Man 3 ou pas? Non. Déjà, est-ce non. que vous savez ce que c'est un Marvel one shot déjà pour commencer? Non. Non.
Ok. Bah tapez Marvel One Shot, il faut que vous rattrapiez ça. C'est en gros, c'est tous des mini-films qui se déroulent entre les films, et c'est officiel. C'est toutes des petites histoires qui se déroulent. Genre, ah mais genre c'est carrément intéressant. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre t'as une histoire après les événements d'Avengers, t'as un couple qui va aller faire des braquages avec une arme Chitauri, t'as un Marvel One Shot sur l'agent quoi? Quoi? C'est live ou animé? Non, c'est en film, carrément. Ah non, je ne déconne pas, c'est en film. J'ai jamais entendu parler en fait. Eh ben tape ça, oui c'est normal, c'est parce que généralement c'est dans les bonus des DVD que tu peux retrouver ça. Ah! Du coup ils mettent pas ça sur YouTube. Ben ah, parce que c'est considéré comme droit d'auteur, tu peux pas. Putain! Ah bah non, c'est mort. Je suis tombé sur le truc sur le mandarin, tu connais là. Item 47, je sais pas ce que c'est. Ouais bah c'est ça, Item 47 c'est le film, c'est le one shot avec l'arme des Chitauri, bah c'est l'arme 47, c'est l'arme des Chitauri, qui a été numérotée en fait. Ouais je sais pas du tout, je comprends rien. Ouais enfin au pire tu regardes en stream t'as les one shot. Hein. Ouais. Mais c'est ça dure bah, quoi c'est, ça dure 5 à 15 minutes je crois. Le plus, ouais, long, c'est agent, genre, c'est le plus long c'est Agent Carter, genre tu découvres comment elle créait le shield. Ouais, après, je suis pas très motivé, parce que j'ai envie de regarder autre chose que Marvel, moi, donc bon. Non, mais je te comprends, tu sais, je te comprends carrément. Bah après... Hein? J'irai même plus au cinéma regarder un film Marvel, moi. Je vais même plus au cinéma pour les voir, moi. Bah moi, par Ant-Man, non, si, moi j'y retourne là. En vrai, pendant une bonne période, j'y suis pas allé. Là, si, pour Ant-Man et la Guêpe, je trace. Pour Avengers 4, je trace. Après, j'arrête. La phase 4, j'y vais plus. Doctor Strange, ça m'avait tellement refroidi. Putain, comment dire ça? Doctor Strange, j'ai trouvé que c'était tellement nul, en fait, que j'ai plus vu de film jusqu'à Dunkerque. Voilà, c'est pour dire. Enfin, j'ai plus vu de film au cinéma depuis Dunkerque. Ah ouais, à ce point-là? Enfin, de Doctor Strange à Dunkerque, j'avais plus vu de film au cinéma entre. Ah ouais, chaud. Ah, pas ah, chaud. Attends, c'était quand le monde de Dory? Ah non, c'était... Ouais, non. T'es allé voir le monde de... Ok, donc... vous allez pas voir le film Marvel, mais par contre, vous allez voir le monde de Dory. Non, moi, je suis pas allé le voir. Après, quelque part... Le film était génial, hein. Ouais... Partant du principe que c'est le monde de Nemo, je peux entendre que ça plaise. Indestructible 2, quoi. Indestructible 2, j'avais beaucoup plus d'attentes et c'était pas moi, ça me fait chier. Parce que maintenant, ils ont la flemme de faire des histoires originaux. Enfin, oui, voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'ils font, j'ai l'impression, ils font tous comme Star Wars 7. Hein. Genre, ils font une suite de films et ils font le même film que le précédent. Et ça me casse les putain. Je sais pas, j'aurais dit Indestructible 2, c'était le premier, avec un méchant différent, avec les mêmes traits psychologiques, le même rythme, les mêmes... Bon, la scène d'action est originale, mais... Ouais, non, globalement, c'était le premier, hein. Il était quoi? Je préfère le rythme dans le premier, hein, moi. Oui, moi aussi. Moi, je préfère le premier tout court. Il y a des scènes dans le premier que j'adore, quoi, et que je pourrais même pas troquer. Juste, il y a une scène dans le premier que j'adore tellement que... Juste Moi, c'est un peu un film de mon enfance, avec l'Indestructible, donc bon. Moi aussi, je pourrais échanger cette scène-là contre les Indestructibles 2, quoi. Les Indestructibles 2, allez, qu'est-ce que j'ai retenu du film, franchement? Les scènes d'action étaient pas mal. Ouais, et non, puis... même les étaient pas aussi impressionnantes que dans le premier film. Bah, je sais pas, en fait, c'est un peu bizarre, parce que les Indestructibles, en fait, on dira un film avec des scènes qui essaye d'être réaliste, mais tu vois que c'est cartoon, mais tu sens vraiment les impacts et tout quand ils se battent, quoi. Non, je trouve, enfin... Peut-être, mais c'est moi, un peu bizarre dit comme ça, mais... Molle que dans le premier, en fait. C'est pas dans le premier, quand à chaque fois qu'ils se battent, je suis là, oh putain, et dans le 2, j'étais là, ils se battent, et Frozen est en train de les tuer. Waouh. Mais moi, surtout, il n'y a pas assez d'enjeux, en fait, dans le deuxième. Tout est trop, bah, bof. Bah, je suis étonné alors, pourquoi t'as aimé le film si tu trouves que tout est bof alors? Mais parce que. Je sais pas. Parce qu'il aime les films bof? Regarde, moi j'ai bien aimé Les Tuches 3, c'est un film de bof. Ah!
Je veux Le dire jeu la de mots. trilogie des douches, moi, juste ça, la trilogie des douches, quoi. Non, bien évidemment, je Après, rigole, j'ai détesté les tuches 3. on a... Non, mais même, déjà, je trouve... Ouais, je sais, mais je m'en fous, hein. Mais... Non, mais ça va, ça va, ça va, ça va aller, ça va aller. Voilà, quoi. Moi, ça me suffit. Oh! Il n'y a pas la trilogie Harry Potter. Par contre, la trilogie Les Tuches, ça y a. Hein. Oh ouais, la trilogie Les Tuches. Oui, ben c'est Mais français, c'est notre blockbuster français. apparemment, D'à côté. t'imagines, toi? Toi, tu vas à la Fnac et t'achètes le pack trilogie Les Tuches. Pourquoi pas Mais, ça, mec? mec, mais carrément, c'est trop mon style. Moi, j'achète l'anthologie de la soupe La des soupe aux crabes. choux? T'as dit quoi, la soupe aux choux? Non, moi je préfère acheter l'anthologie de la sodomie hein, à Ouais, la non, moi place. j'achète l'anthologie de Louis Funès. Et moi je peux dire adieu à ma Louis de Funès? monétisation, c'est Je mort. T'as dit quoi? préfère acheter l'anthologie de la sodomie que la trilogie des tuches. Ouais, mais c'est moi ou l'un de vous deux ne connaît pas Louis Funès? Bah, moi, je connais pas. Enfin, si, je connais, mais je D'accord. regarde pas ses films en fait, parce que je m'en Je vais pas branle. enseigner ces films quand j'étais petit, quoi. L'aile ou la cuisse. Voilà, quoi. Enfin, Oui, c'est Hibernatus, comme. Fantomas, c'est ça brase. C'est. Voilà. Oui, non. D'accord, je. Oui, je comprends. J'ai l'aile ou la cuisse en DVD, d'ailleurs. Et Ah. Hibernatus, que j'ai sûrement acheté au Delhaize. C'est bien, ça fait style que t'as de bon goût. Ouais. Pardon. Putain, j'ai vu le Labyrinthe 3 en DVD aujourd'hui. Et j'ai pas voulu l'acheter. C'est de la merde ou pas, tu trouves? Non, mais je veux dire, c'est pas révolutionnaire, quoi. Bah, franchement, je pense que pour niveau cliché adapté de film, enfin, adapté de livre pour adolescents avec des romances niaises, c'est les moins pires, je pense. C'est moins pire que Divergente et moins pire qu'Hunger Games. Ça, Ouais. clairement, c'est le meilleur de ce côté-là. Hunger Games, genre, le seul que je me souviens que correct, en tout cas, c'était le 2. Le reste, j'ai pas aimé. Divergente, j'ai détesté. T'as détesté. Bah moi, tu vois, en soi, l'histoire de Divergente, j'ai adoré le premier, j'ai kiffé le deuxième, j'ai détesté le troisième. Bah, personne n'aime le troisième, en fait. Donc. Mais Même ça sert à quoi? Ça sert à quoi qu'il fasse une trilogie, d'ailleurs, de toute façon. dans Labyrinthe 3, t'as vu le caméo de Walton Goggins? Oh, C'est à putain. quel moment à peu près? C'est le type qui avait pas de nez là. Ah ouais, Voldemort. Oui, je vois. Ouais, ben moi ça me fait marrer. Sa tête sans son nez, elle est encore plus drôle, je trouve. Ce type, il a une de ses têtes, mais. Oh putain! Le plus Attends, faudrait que marrant, je le c'était. revoie, mais. Le En plus fait, il marrant, avait quoi c'était. dans l'histoire, le mec? Le mec, Comment? dans l'histoire, qu'est-ce qu'il avait? Non, mais dans l'histoire. Il servait à rien, mais je crois que c'était parce que, en fait, j'ai vu que le 3, moi, j'ai pas vu les deux premiers. C'est pas genre il était infecté, mais il survivait à cause d'un semblant C'était un truc comme ça, oui. Ou de alors c'était un chat médoc. qui Ouais, je sais pas. C'est un peu space, hein, quand même. s'est avait l'air d'être un chef de tribu qui était infecté, mais. Bah moi, il me fait juste marrer parce que ce gars, il surjoue tellement. Genre dans le Tomb Raider cette année-là, genre à un moment, t'avais. Bah, Lara, elle poussait les chaises, elle fait. On n'entrerait pas chez vous. Et il fait non comme ça. Genre, c'est un peu nanardesque, en fait, on dirait, genre dans l'épisode 3, la Revanche des Sith, quand il fait non! Mais oui, Moi, bien ça me sûr. faisait Tellement penser cliché. à Wonder Woman quand il faisait Je vais te Ouais, détruire. oui! Si je vais Comme parler du film de Ang Lee, oui, je vais parler du film de Ang Lee, forcément, si je parle de l'Incroyable Hulk, je vais parler de l'ancienne adaptation, mais vite fait, on va dire. Enfin, je sais pas, on verra. tu parleras de Winnie et Mais c'est Jean-Christophe. en cours, c'est en cours. Hein, quoi? Tu parleras de Winnie et Jean-Christophe. Oh, je veux le voir. Moi aussi, mec. Je Mec, veux le voir. passe à mon cinéma. Mec, il y a le trailer qui est passé quand il y avait les Indestructibles 2. Je m'étais chié dessus. Moi, j'étais là. Oh! Trop bien! C'est encore mieux qu'Avengers! Ouais, mec, je vais plus aimer ça qu'Avengers, gars. Non, c'est Et en ouf. Mais plus, le avec pire, des c'est que c'est vrai, femmes ça fait dedans. bizarre. Genre le décalage entre tout ce qu'on peut voir et Winnie l'ourson, le voir au cinéma, t'as ton passé qui ressurgit, ça fait Mais bizarre. oui, mais mec,
J'ai failli chialer devant le trailer au cinéma. J'ai veut dire moi oui. En plus, ils te foutent McGregor dans le film. Oh là là. Moi j'étais là, ouais putain, mais en plus ils ont récupéré le doubleur Qui aurait oublié. cru qu'Obi-Wan aurait parlé à Winnie l'ourson? Oui, c'est improbable, c'est ça qui est génial. Déjà ça, et aussi parce que bah déjà la direction artistique et la production design, enfin tout le bazar là, ça a l'air quand même pas mal. Et quand même, Winnie, il ressemble un peu à une peluche en fait. Les personnages de Winnie l'ourson, ils ressemblent un peu à des peluches, je trouve. Oui, c'est là que tu peux te dire, ouais, en termes de réalisme, moyen, moyen, mais Ouais, mais en même temps, je me c'est... dis, ça va en fait, ça va. Ouais, enfin, C'est. après, dans les années 80, on te foutait carrément des personnages de Looney Tunes en plein milieu de... Ouais. Comment? Aide-moi. Il y a eu un film Looney Tunes dans les années 2000, Ouais, c'est ça que je te disais. Genre, tu voyais Mickey et le lapin de Looney Tunes dans le même film. Pays j'aime. Roger Rabbit. Ouais, Rabbit, voilà, c'est ça. Comment tu l'appelles? Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit? C'était qui veut la peau de Roger Rabbit, d'accord. Oui, de Non, Roger Rabbit. Roger Rabbit. Rabbit. Oups, ma langue a fourché. Moi j'aime bien Roger Rabbit. Hein. J'ai pas fait exprès. J'ai même pas fait Je l'ai exprès. pas vu, hein, mais apparemment, ils ont fait un boulot et tout. Et genre, ils tournaient les scènes, enfin, ils Ah ouais, cadraient il les scènes, tournait les scènes. ils tournaient avec des vraies personnes. Puis après, il l'a tourné une deuxième fois sans les personnes. Comme ça, tu vois, les acteurs, ils étaient déjà habitués à voir comme s'ils avaient vu déjà une personne. Enfin, bref, faut regarder les making-of, c'est intéressant. Moi, j'ai pas vu le film, Bah, mais tu j'ai sais vu le quoi? film. Je trouve que le film des années 80 était encore mieux foutu que certains films de CGI de maintenant. Mais. Genre, bon, vous allez dire j'abuse. Eh ben, les effets spéciaux CGI de Game of Thrones, j'ai envie parfois de me bouffer une dent tellement c'est ignoble. Mais est-ce que t'as vu le truc là dans Walking Dead quand t'avais la biche? Oui, la biche, mais mec, c'est trop Elle connu. est Quoi? dégueulasse. C'est Dans quand quoi? Dans quoi? Dans quoi? Dans quoi? Dans Walking Dead là. Tu vois quand t'as une biche ou je sais pas sur un fond vert comme ça. Et genre le mec il est dans un truc dévasté là, dans une sorte de parc pour enfants là. Genre il regarde et t'as la biche sur un fond vert comme ça. Non, c'est la biche, elle est en 3D dégueulasse, mais c'est la mort de Rick en plus, c'est dans la Oui, saison 2. mais c'est les deux, hein. Elle est en 3D, elle est sur un fond vert aussi, je pense. C'était quelle saison ça? C'est la saison 8, mais tu mets Walking Dead, Je... Worst En fait, j'ai pas vu la CGI. saison... Enfin, j'ai pas vraiment vu la saison 8, j'ai vu que jusqu'à la fin de la saison 7. Par contre, j'ai Ah quand même regardé la réaction de Valou sur le dernier épisode et putain qu'il a pété un plomb. Oh. Mais alors... mais en En même temps, fait, je le je dis, comprends. la biche, c'est quand t'as la mort de Rick, mais c'est tellement ridicule, quoi. C'est limite, t'es là, oui, quoi? Genre. Déjà, tu vois Ouais. la biche en 3D immonde! Et je sais pas, il y a Rick, il fait Il se une oreille. retourne, il la regarde et il fait, oh, elle est tellement mal faite. Ouais, non, je sais pas, il est là dans sa tête, genre en mode, tu te dis, dans le scénario, c'était genre, ouais, c'est artistique et tout, mais dans comment je fais, tu te dis, ouais, il est en train de se dire, putain, elle est dégueulasse. Puis après, c'est tellement moche qu'il tombe et il se fait bouffer par les zombies. Mais c'est vraiment ça la mort de Rick, putain. Dans les comics. Il voit une biche dégueulasse, il tombe et il se fait bouffer par des zombies. Puis après, il y a la noire, elle fait non! Comme ça. Après, elle porte le katana, là, elle se barre en courant. Ça, c'est la mort de Rick. Franchement, j'ai vu la première saison, déjà, je trouvais ça pas énorme. Mais. Enfin, bref. Autant moi la première, j'ai bien aimé, tu vois. Genre vraiment. Les effets spéciaux m'ont Mais... fait beaucoup rire, quand même. Surtout le Ouais. JPEG de l'explosion à la fin de la première saison. Ouais. Vraiment le truc stock que j'ai craqué il y a 2 ans pour les coller sur mes trucs After Effects. Mais c'est marrant. Bah moi, la seule série que j'ai vue, c'est 13... C'est quoi? Wow. 13 raisons why. 13 Reasons Why, on le dit en britannique, s'il te plaît. Mais moi, j'ai vu. 13 raisons why! Non. Bah, 13 franchement. raisons why. Moi, j'ai vu Code Quantum. Hein. Les mecs, Code 13. Quantum, c'est vraiment la putain de vie. Hein. Code, en Mais. plus, s'appelle John Bakula ou un truc comme ça. Don Bakula.
Et non, moi j'adore Code Quantum, hein. Franchement, je la conseille. Juste regardez les deux premiers épisodes, ou même le premier épisode, dure à peu près 1h20. En France, c'est putain de bien, mais. Moi j'ai la flemme de regarder des séries, donc bon. Mais même, Jojo, regarde juste le premier épisode, c'est 1h20, c'est comme un film. Franchement, tu peux le noter comme un film, le premier épisode, tellement il est génial en fait. Ouais, j'ai la flemme, Mathieu. Ouais. Bah, en fait, Dommage. c'est moi, je veux juste regarder cette bidule là, juste parce qu'en fait, si tu veux, Sky, dans notre école, on nous a trop là à lire ce livre de merde. Quel livre? Parce que t'as coupé. Parce qu'à la base, 13 Reasons Why, c'est un livre. Oui, je sais, ouais. Voilà. Donc, on a dû lire le livre qui était nul à chier. La série est un peu mieux. La première saison, ça va. La deuxième saison, bon, ça c'est ultra subjectif. Je préfère la deuxième saison, mais la première, objectivement, je dirais, elle tient plus la route, quoi. Ah ouais, quand même, à ce point-là. Bah ouais, mais franchement, je sais pas, il y a beaucoup je trouve Il y a beaucoup de... de trucs, on s'en fout. Genre, dans le livre, c'est juste Anna. Qui fait un monologue du genre ah ce mec-là il m'a violé, lui m'a fait ci, il m'a fait ça, et puis t'as pas de ils essayent rien quoi. Genre t'es juste là, elle s'est fait violer, elle s'est fait baiser. Et après t'es là, à la fin ça se termine bien et puis voilà. Ouais, bien, ouais, bah c'est pas comme dans la série, et ça, par contre, c'est un point positif. Bah Parce oui, ils ont que. pris des risques au moins. Ouais, parce que. Clairement, bah vous avez vu la fin de la saison 2 au moins, ou pas? Oui, la fin, mais ils ont fait ça sur une saison. Putain, mec, tu coupes là ton micro, il part en couille. Mais bon, Ah. Winnie et Jean-Christophe, à mon avis, meilleur film de l'année, hein. Oui. À Ah voir en non, mais famille. franchement, Non, oui. c'est un top meilleur film de l'année, il y a de grandes chances qu'il soit dedans. Oui, bah Ouais, de mais toute façon, c'est un truc. Parce que moi, un film pour enfants. Winnie, ça passait par la série, les films. Il y a eu des films, hein, Winnie. Et même la série en 3D dégueulasse là des débuts 2000. Moi, j'adore Winnie. En tout Moi, cas. tout ce que je me rappelle, j'avais un jeu Winnie sur PS2 et j'ai joué des fois et voilà. Quand tu courais, c'était rigolo. Ouais, mais c'était. Je vais même envoyer des vidéos, mais bref. Mais moi, il y a moyen que je fasse un top et flop. Meilleur film de l'année, Winnie l'ourson. Bah, à mon avis, bon, je le connais déjà, mais les résultats, il y aura Disaster Artist, Itonia, Ready Ah, Player toi, tu One, veux faire. Ah oui, 2018, oui. Bohemian Rhapsody. First Man, comment? Moi, il y a déjà les films qu'il y aura. Hein. Moi, je m'en fous, je fais des tops sur. Enfin, après, ce serait peut-être original, Mathieu, si tu Il fais y a des un. tubas que j'ai dit, Code Quantum, c'est génial, c'est vrai, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais en fait, Code Quantum, c'est fait par qui déjà? Ouais, mais c'est un type qui apparemment a rien fait de incroyable. Mais regardez le pilote, franchement, le pilote, c'est tellement le meilleur pilote du monde. J'irai voir, ok. Non, reprenez, Le excusez-moi, j'ai le don pour couper les gens. Donc, je vous le dis. pilote dure 1h20, mais franchement, c'est un putain de. C'est génial, putain. Bah, si tu veux, je peux te faire un peu le speech, hein, parce que je sais pas si tu vois, tu sais pas. Bah, je connais de nom, mais je sais plus. Faudrait que. En gros, c'est un type, il fait une expérience, il y a une expérience du gouvernement dans le futur. C'est un futur un peu années 80 comme ça, mais. Et en fait, ils font une expérience sur les voyages quantiques, je sais pas quoi, et du coup, t'as le personnage principal qui est téléporté dans le corps de quelqu'un. Ouais. Dans le passé pour justement réparer des erreurs du passé. Il est accompagné par un hologramme qui s'appelle Hal et que il peut juste Oh, va voir la série, putain. D'accord, j'irai voir. Bah, ça donne envie en plus, donc j'irai voir. Il n'y a pas de souci, tout va Donc, bien. ouais, en fait, il sait pas qui il est quand il change de corps, quoi. Et du coup, des Ah fois, t'as des ouais. situations où il doit vraiment s'adapter. Genre, par exemple, au début du premier épisode, il se réveille à côté d'une meuf enceinte. Et tu vois, il est là, qu'est-ce qui se passe?
Ah ouais, d'accord. Et puis il sait pas pourquoi il est là, en fait. Il oublie, ou il a un trou de Non, mémoire, c'est ou ce pas, genre il de sait pas choses. pourquoi il est là. Il y a juste son pote Hal, qui est joué par une vraie personne, et en fait, qui a un hologramme que juste lui peut voir, qui lui dit ouais, d'après notre ordinateur, c'est ça, machin. La série se répète un peu, c'est un peu comme du genre Code Lyoko, tu vois, ou alors t'as une chier de saison et une chier d'épisode, et alors c'est à chaque fois à peu près le même format. Il arrive au corps de quelqu'un, il doit réparer une erreur du passé, et voilà. C'est globalement ça. D'accord, Mais ouais. des fois, t'as des trucs intéressants. Genre, dans le premier épisode, ils ont mis Elvis Presley à un moment. Ça, ouais, mais il n'y a pas des problèmes d'anachronisme. Comment? Il n'y a pas de problème d'anachronisme. De Un comment ça? anachronisme, c'est quand par exemple, tu as une incohérence de technologie par rapport au temps. Par exemple, dans Retour vers le futur, dans le premier épisode, t'as Marty McFly qui joue un morceau qui n'existe pas encore à cette période. Ah oui, non, non, il n'y a pas ça. Enfin, si, à un moment, j'ai vu sur YouTube, ils avaient fait ça avec la chanson de la Imagine, ou je sais pas quoi, et qui disait que les Beatles allaient se séparer, et t'avais la meuf qui faisait quoi? Comme ça. Ah ouais, d'accord. Mais ça, c'était, je sais pas, c'est dans une saison, je suis pas encore à là, quoi. Non, mais Mais dans le c'est... premier épisode, ils sont dans les années 50, et il y a un moment où putain, c'est... J'étais là, mais ça se trouve, Indiana Jones 4, c'était une référence à Code Quantum quand t'avais. Oh. T'avais la même musique d'Indiana Jones 4. J'ai fait OK, je vais tout regarder. Ah ouais, bah tu vois. Ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. Oui, ça m'étonne. Mais c'est là quand même que tu te rends compte qu'en fait les morceaux musicaux ils se répètent au fil des âges en fait, c'est exactement les mêmes. Non mais en vrai. Oula, le gros silence. Alors, attendez, est-ce que là j'ai fait carrément une erreur? Ah non, là ils étaient. C'est tout ça, puis c'est Ouais, pas. c'est trop bien. Et alors, j'ai regardé 20 minutes de Code Quantum debout. Ouais. Quand il y a eu du Elvis, j'étais là, oh putain, on va tout regarder. Parce que c'est une série Parce que... de l'enfance de mon père, quoi. Donc, du coup, il m'a fait, ouais, regarde, ça c'est trop bien. Et du coup, oui, c'est trop bien. Ouais. Putain, mais en vrai, combien de films moi j'ai pu voir en étant influencé par mon père, c'est ouf. Ah bah Attends, oui, il a tous j'ai... les Indiana Jones, tous les Retours vers le futur, tous des trucs comme ça, quoi. Oui, Retour vers le futur, forcément. Il y a Putain, ta en... mère qui te sort des trucs paumés, genre Ghost. Non, non, ma mère, non. Non, moi, c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir Ghost. Ah Donc, oui. c'est te dire, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est plus Ma fixée grand-mère, elle cinéma que mon père. Et ouais, j'y pense. Aujourd'hui, ma grand-mère, elle m'a fait voir toute une panoplie d'objectifs, d'appareils photo et tout. Et vous savez ce qu'elle avait? Un putain d'appareil de cinéma, c'est ce qu'on appelait la Grand 8. Je sais plus quoi, une V8, une caméra V8, tu sais, c'est les grosses caméras qui requièrent, je sais plus quoi, une grosse moulinette, un peu à la Louis Lumière. Elle a Non. ça dans l'un de ses coffres, et elle en a pas l'utilité. Mais mec, si c'est ça, moi je vais l'exposer. Tu sais, les grosses caméras qui datent de 1950. Bah elle Mais a ça. C'est moi, il y a ouf. ma grand-mère qui a une Super 8 et c'est une caméra classique pellicule 8 mm. Ouais, bah voilà, c'est ça. Bah je trouve que ça pète. En vrai, ça pète la classe. Ouais, mais c'est des années 70, hein, je crois, déjà. Ouais, c'est les années 50. Par contre, vous savez pas, bah après je dis ça, après j'en sais rien si vous êtes fixé photographie, mais vous pensez qu'un objectif argentique, donc argentique ça veut dire que c'était utilisé pour la pellicule, ça peut être Juste... compatible avec un appareil numérique? Oui, mais normalement, t'as pas la stabilisation, t'as pas le focus automatique, t'as pas... En Ouais, mais ça gros, je m'en fous que t'as pas foutu sous focus automatique, que je peux le régler par toi-même. Et t'as une déformation du bokeh aussi. C'est quoi le bokeh? Parce que je suis un illettré. Enfin, je suis con. En gros, tu vois, quand c'est flou, la lumière, elle est ronde, là. Quand Une t'es, quand triple c'est flou, vue. la lumière, elle est ronde. Vas-y, explique-moi, parce que... En Comme si gros, j'étais tu un vois, handicapé. par exemple, on va dire, t'es pendant la nuit, il y a de la lumière de... Enfin, il y a un poteau lumineux dehors. Tu mets complètement en flou avec ton appareil photo, c'est rond normalement. Ouais, ouais. Ouais, bah en fait, avec les trucs, les objectifs argentiques, quand t'es vraiment sur le bord de l'image, le rond est déformé.
y a une déformation du flou en fait. D'accord, ok, ouais, je vois. Du coup, oui, ça peut être sympa, mais après, si t'as vraiment pas envie, bah, d'avoir une déformation du flou, bah voilà, c'est dommage. Bon, on s'en fout en fait, parce que à l'œil nu, tu t'en rends pas compte. Si, si, quand même, ça se voit à mort. Enfin, je peux t'en trouver une de photos où il y a ça. Ah bon. Ça m'étonne quand même, mais d'accord. Je te crois. Bon, enfin bref, bah c'est toujours ça de prix, quoi, je veux dire, si j'ai besoin. Mais genre, elle a tout, elle a un plan large, elle a un zoom, enfin. Que des trucs bah, de malade en fait. Des gros trucs, tu sais, qui te permettent de faire un zoom de je sais pas combien de mètres. Enfin, c'est ouf. Un peu le truc, un truc bon, comme une caméra de fiction, quoi, sauf que c'est en pellicule, quoi, donc c'est un peu con, je vais pas aller le faire développer, quoi, tu vois, c'est un peu. Manquerait plus que je me fasse faire une chambre noire, en fait. Le truc, c'est que la pellicule, déjà, pour la numériser, franchement, j'ai regardé comment on numérise une pellicule 8 mm. C'est hyper galère. Faut un truc numériseur qui coûte la blinde, genre aux alentours de beaucoup. Enfin, tu peux acheter 10 fois un rouleau de pellicule de 2 minutes. Que je crois que c'est 3 minutes de pellicule, c'est 30 balles, quoi. Donc, et de la Ah pellicule ouais. 8 mm. Donc je te dis pas si c'est de la 16. Hein. Ok. Donc Bon, c'est terminé là votre discussion. Moi je voulais tourner en pellicule, mais que j'étais trop chaud, j'étais là, ouais, la Ça veut pellicule. dire non. Mais ouais, mais Et franchement, j'adorerais, j'étais mais c'est hyper trop trop chiant. dit quand j'ai vu le prix de la pellicule, surtout que j'ai un appareil photo quand même qui filme mieux que la Super 8, donc c'est dommage. C'est dommage, comme tu dis. Mais enfin bref. Oui, on a fini de parler de pellicule. Je dis ça pour déconner, hein, c'est bon, je. Ouais, t'inquiète. Bon, du coup, voilà, j'ai fait ce qu'on appelle du coup la petite outro pour Retour vers le futur, parce que oui, moi je vous dis pas grand chose, mais faudra quand même accessoirement qu'on se fasse comment bah, des lives en faisant le jeu Telltales. Ça pourrait être marrant. Super. Là, vous en avez strictement rien à foutre. Non, moi ça me dérange pas, mais bon, c'est voilà, je suis pas très fan des jeux qui veulent faire comme. Ouais, les jeux Telltale, c'est pas le problème, c'est que je vous propose de jouer à Brawlhalla, vous pouvez pas, donc Bah moi je veux bien, mais c'est juste que je sais pas si tu seras capable d'attendre. Bah écoute, si pour la prochaine fois t'as le temps, prends le temps de Non l'installer, c'est mais 300 j'ai mo. le temps, hein. Attends, je vais même prendre Steam maintenant juste pour voir. Enfin, je peux parler en tant que. Ouais. Putain, j'aurais trop aimé lancer le jeu de Star Citizen, mais je vais pas le faire parce que. Ah ouais. Bah, Mais encore le. vous connaissez le jeu Star Star Citizen? Citizen, tu Ouais, moi l'as? je connais, mais Mais. j'ai Tu pris de la meurs place dans les. Star Citizen. Vous avez coupé tous les deux, vous pouvez répéter? Tu meurs si tu démarres Star Citizen Oui, en je l'ai live. déjà. Non, mais je l'ai acheté, je l'ai déjà lancé. Hein. Je fais même partie du PTU. C'est Ah non, juste mais en que t'as live. 20 FPS. Ouais, voilà. Mais mec, en live, c'est impossible de faire un live là-dessus. Hein. Non, non, Le non. J'ai déjà réussi une fois, mais c'était galère. Et c'était en 2.6, hein, c'était avant qu'on ait les planètes. Maintenant, il y a les planètes, donc c'est mort. Les planètes, ça te fait crash ton jeu, donc c'est chaud. J'ai vu quoi. Franchement, je connais pas grand-chose du jeu. Hein. J'ai vu deux vidéos de Jour du Grenier, mais. Eh, vas-y, mec. Chiche, chiche, j'essaye. Chiche, j'essaye de le lancer. Si t'y arrives, hein, franchement. Oui, on m'appelle monsieur, je sais. Mais Quoi? ça n'arrivera pas, donc t'inquiète pas, tu peux être serein. Ouais, voilà, j'allais dire. C'est mort. Franchement. Merde, j'aurais Ouais. peut-être dû laisser la manette. Oh, fais chier. Non, je vais pas lancer le PTU parce que le PTU, le point positif c'est que c'est moins buggé, mais le point négatif c'est qu'il faut que je refasse toutes mes commandes. Donc on va faire la 3.1. Parce qu'en fait moi à chaque fois j'ai une mise à jour d'avance. Là où il y a une mise à jour qui sort, moi je fais la version d'après pour de la tester auprès des Evocati, du coup c'est pratique. C'est juste que moi j'ai un vaisseau poubelle, du coup c'est chiant. Oh, c'est casse-couille, Bon, casse-couille! Star Citizen, ça me fait penser à No Man's Sky, mais en mieux.
D'ailleurs, No Man's Sky, je l'avais acheté sur la Play d'ailleurs, et je crois que pour l'été, bah là, pour mois de juillet, août, il y a une grosse mise à jour sur No Man's Sky qui doit arriver, c'est la No Man's Sky Next, et apparemment ça doit changer tous les codes du jeu. Genre tous les codes, la programmation, tout. Bah, c'est quand même bien que ils améliorent le jeu maintenant, mais c'est juste dommage parce que du coup maintenant plus personne n'a pas le jeu parce qu'ils avaient foiré le lancement en fait. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. C'est vraiment triste. Et encore, non, ils ont pas. Enfin, ils ont foiré le lancement. Ils ont pas foiré la campagne marketing. Mais en tout cas, quand ils ont acheté le jeu, c'est sûr que t'avais devant toi un film Ah. super vide, quoi. Très, très vide. Genre, Et tu. genre. Et une tonne de bugs, genre. Ouais. Genre. Triste. Juste, j'ai envoyé une photo pour la déformation là, du flou. Ça se voit pas trop, hein. En fait, c'est très léger, mais il y en a, ça se voit hyper fort. Ah, mais en fait, c'est en rond là, le flou. Non, mais genre, tu vois, il y a des espèces de bulles sont rondes. Ouais, comme une petite bulle, ouais, effectivement. En fait, tu vois, les bulles tournent, en fait. Tu vois, sur les coins, elles sont arrondies, en fait. Enfin, elles sont. Ah, ouais, effectivement. Tu vois, il y a un truc comme ça que Ouais, tu vois, c'est. plus c'est rond. Mais sur cette photo, en tout cas, ça donne pas très bien, effectivement. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Du coup, reste. Si t'as déjà un bon objectif comme ça, tu peux rester hein, dessus. Hein. C'est pas important non plus. Non, 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 je sais. Oula, les mecs, je suis en plein écran. Star Citizen vient de se mettre en plein écran. Est-ce que le live il va supporter? Je ne suis pas sûr. Bon, moi, je vais couper un peu mon micro du coup là parce qu'il faut que j'appuie sur le bouton. J'ai l'impression d'avoir les interphones là, genre en mode J.K. Simmons dans Spider-Man là, quand t'as sa secrétaire là qui lui dit. De prendre les bonnes pilules. Et hop, Ouais. appuyer sur un bouton là pour lui dire oui. Mais du coup, oui, je pourrais pas appuyer sur le bouton si je vais voir le live. Du coup, voilà. Oula, oh j'ai réussi à mettre l'écran du vaisseau. Loading games. Allez, 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 c'est bon. Génial. Ouais, bah alors, regardez dans le live si ça fonctionne bien. Ça a l'air d'être fluide. Ok. Bah vous me dites, mais ça a l'air pas mal. Loading. Bah voilà, jusqu'à maintenant ça va, MDR. Putain, et les mecs, avant j'arrêtais pas de faire les lives en 720p, maintenant j'arrive à le faire en 1080p. Il y a une évolution. Il y a une évolution! Faut pas Je regarder sais maintenant, mon YouTube il fait une mise à jour de merde là. pas. Ah ouais, les mises à jour, mais j'en ai marre. Enfin, pas YouTube, mais surtout Microsoft, moi perso. Oui, ils sont chiants, j'ai envie de. Putain, c'est. Ah, mais c'est horrible. Franchement, mec, j'en ai marre. Oh, j'ai envie de frapper mon écran. Hein. Putain, mec, c'est chaud, mais c'est chiant. Mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que, de un, ils te détaillent pas en détail, du coup, la mise à jour, ce qu'ils font, etc. Ça peut durer de 2 minutes à 1 heure. En plus, ils t'obligent à faire des mises à jour. Et quand ils te proposent de les repousser, c'est genre pour à peine 2 jours, tu vois. Et c'est chiant. Ouais. Admettons, tu dois sortir une vidéo, t'es en travail, tu dois rendre un papier confidentiel important, machin, je sais pas quoi. Mais mec, t'es dans la merde. Enfin, c'est chiant. Ouais. Surtout qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils font ça. Enfin, je sais pas, des fois, il y a des mises à jour qui rajoutent. C'est vrai ce que tu dis en plus. Ouais. C'est dommage. Bon, bonne nouvelle, je suis sur le menu et c'est fiable. Enfin, c'est Non, fiable, c'est fluide. Alors attends, contact list. Ah ouais, ça c'était les amis, comme les amis. Salut Baptiste Cœur le roux, désolé si je le prononce mal. Mais ouais, c'est chaud. Bon, bah on va essayer de le faire tourner, mais ça va être chaud. Les mecs, je ne suis pas serein, sachant que j'arrive à peine à le faire tourner sans le live. Bon, allez. 1, 2, 3, on y croit. Mais oui, ils ont pas d'âme. S'il te plaît, quitte pas le live quand même. Mais t'es un enfoiré, Le live. toi. Mais Arrête. vous êtes. Pour information, mon nom de famille, c'est Roux. Eh ouais, Là, non mais. il se Je trompe. te jure. Sérieux? Attends. Tu t'appelles Oui, le c'est toi. Skylive Roux? Oui, t'as raison, Skylife, c'est mon prénom, mais t'as vraiment cru que mes parents étaient assez teubés pour m'appeler Skylife? Non, mais. Non, 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 je m'appelle Antonin. Antonin. Ah oui, mais c'est pas possible, Nils. Ouais, c'est pas mal quand même. Nils. Nils. Mais tu vois la vidéo, oui. Mais c'est bien, Nils, super pour l'appareil photo. T'es vraiment comme un petit con, hein. Mais t'es pas net, Baptiste. Non, T'as non, fumé c'est quoi? l'autre avec Baptiste.
Ouais. Oui, je sais, c'est pas la même chose. Surtout que le Baptiste, là, genre, je pense qu'il a rempli un truc pas... Il est pas net, hein, parce que le mec, genre, il prend du sable, il brûle dans un bocal en verre. Oh, mais grave. En fait, il est en train de faire le... Vous voyez le truc dans Minecraft, là, quand on brûle du sable, que ça fait du... Ouais, 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 je vois, ouais. Mmh. Il est en train d'essayer de faire ça, en fait. Il est con. Chez vous. Et sinon, Sky, toi, t'aimes bien Fallout. Hein, j'aime bien quoi? Fallout. Oui, bah tiens, d'ailleurs, on peut en parler si vous voulez. Genre, Fallout, moi, j'ai découvert bah, Fallout 3, pas les autres, hein, que à partir de Fallout 3, et j'avais adoré toutes les possibilités qu'on pouvait faire, et vous allez m'appeler, enfin, ça dit que vous avez le droit, la... Le nombre de possibilités qu'on avait de torturer les gens, de les tuer, tu pouvais tuer n'importe qui dans l'abri. Ah, je me suis éclaté. Tu sais, le petit con là qui te faisait chier à ton anniversaire dans Fallout 3, je me le suis fait, mais alors, à toutes les sauces, un peu comme joueur du grenier, tu sais. Ah, je me le suis fait à toutes les sauces et j'ai kiffé. Et puis même, l'histoire, elle était super prenante, intéressante. La meuf là que t'as envie de te taper, elle est grave bonne dans le jeu. Dans Fallout 4, que en termes d'histoire et de scénario, j'ai préféré Fallout 3. Mais en termes de choix, ça va, ça, c'était assez vaste. T'as pas joué à New Vegas? Pas du tout. Non, ah, pas du tout. Il moi, c'est le seul auquel j'ai joué. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'est genre le meilleur Fallout avec le 2 et le 3. Ah ouais? Parce qu'il a quoi de spécial? C'est quoi sa spécificité? Bah, je sais pas, c'est. Bah, en gros, c'est le 3, mais beaucoup mieux. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'apparemment Fallout 4 est pas terrible et décevant, quoi. Et niveau scénario, c'était de la grosse chiasse. Bah niveau scénario, c'est sûr, il était moins bon que les prédécesseurs. Pas mauvais, hein, mais moins bon. Enfin, après, en tout cas, c'est vrai que c'est les meilleurs Bethesda pour nous laisser faire des conneries. Ouais, bah c'est ça, c'est carrément ça. En tout cas, j'attends beaucoup le Fallout 76, là. Je sais pas ce qu'il va valoir, mais le système de territoire avec les bombes nucléaires, moi, j'ai bien aimé. Ça a l'air pas mal, hein, mais le truc... Les jeux qui veulent faire multi et tout, moi, c'est un patron de truc. Et t'as joué à Half-Life? Ah oui, le jeu avec le moteur graphique de Garry's Mod. Ouais. Enfin, Garry's Mod qui s'est inspiré du moteur graphique d'Half-Life. Oui, j'ai joué à Half-Life 2, moi. Ouais, parce que moi, j'ai fait le 2, j'ai pas fait le 1. Ouais, mais je suis... J'ai pas fait le 1, horrible. Et j'attends la remasterisation du 1, je crois qu'ils sont en train de le revoir. Genre, il y a pas mal de jeux rétro qu'ils essaient de remasteriser. Genre, ouais. Là, ils ont remasterisé Resident Evil. Ils vont remasteriser le jeu Star Wars The Old Republic, tu sais, mais Knights of the Republic. Ah bon? Ils vont toutes remasteriser. Attends, j'ai hâte, ce jeu-là, j'ai tellement hâte. Ils ont déjà remasterisé, hein. Ah, ils ont déjà remasterisé le 1? Ah bah, c'est le 2 qui remasterise, alors. Ah ouais. C'est Black Mesa. Black, comment il s'appelle le jeu? Black Mesa. D'accord. Ah. Oh, tiens, tu vois, je savais pas, mais j'irai voir. Ah ouais, du coup, il s'achète tout sur un site en particulier, c'est différent. Steam. Black Mesa. Il est okay. Steam, ouais, mais c'est à la base, c'est fait par des fans et je sais plus, je crois Valve l'a racheté ou une chose. Ah ouais, d'accord. Par contre, mec, ça me fait tellement marrer. Valve, ces types, quoi, ils sont géniaux. T'as les mecs, ils ont fait Half-Life 2, tout le monde attend le 3, il y a Portal 2, tout le monde attend le 3. Et ils te sortent un vieux jeu de cartes, comme ouais. Ça, sans raison. Alors que tout le monde, en plus, il y a des mises à jour sur Team Fortress qu'il faudrait faire et tout. Et eux, ils te sortent un jeu de cartes, ils te jouent un Uno, ils te sortent un Uno en ligne, version Valve, quoi. Ouais. Alors que le Valve, il faisait vraiment des bons jeux, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. Half-Life et Portal, c'est des jeux reliés. Ouais. Parce que dans Half-Life 2, épisode 2, il y avait le Borealis qui a un bateau dans Portal qui a été téléporté avec une expérience de mon cul, là. Et normalement, rejoindre le Borealis à la fin d'Half-Life 2, épisode 2. Sauf qu'en fait, les connards, ils ont fait crever le père de Alix, le Morgan Freeman, là. Et du coup, après, ça se termine en fondu comme ça avec Alix qui chiale sur le cadavre de son père. Il n'y a toujours pas de suite. Et ça me casse les couilles. Depuis 2007, on est dans le putain de flou. Bon, bah, on verra. Hein. Je les adore et en même temps, je les déteste parce que franchement. Parce qu'ils te laissent en stand-by. Ouais, et en plus, tu sais quoi, la Gamescom 2015, ils ont foutu Half-Life 3 dans la liste des jeux à la Gamescom.
Et ils l'ont pas fiché finalement. Bah non, ils l'ont pas mis, c'était juste un troll. Ah, les enflures. Mais c'était eux qui l'avaient mis. De quoi? Mais est-ce que c'est genre... ils pensaient être prêts à annoncer le sujet, puis au final ils ont voulu le retravailler, ou c'était vraiment un troll? Il était annoncé pour 2015 ou une connerie comme ça, et finalement on n'a rien eu. Ouais. Ouais, je sais pas, c'est bizarre en tout cas. C'est des fils de pute. Par contre, vous allez dire que je reparle encore de Just Cause, mais j'ai pas compris pourquoi Just Cause. Enfin. Attends, vous me direz, c'est pas la première fois que ça arrive. Genre le jeu, on a à peine la révélation du gameplay, qu'il y a plein de youtubeurs dont Cyril, super connard, qui ont déjà LCD en double. J'ai pas compris là, franchement j'ai pas compris. Le jeu, tu sais à peine à quoi il ressemble, que t'as Cyril qui fait une vidéo dessus parce qu'il a en avant-première le disque, enfin j'ai pas compris le principe, enfin c'est bizarre. Bah en fait, je moi non plus, j'ai jamais compris comment ils font. Il y avait déjà eu ça avec Just Cause. Mais en gros, je pense que les développeurs, ils leur envoient une démo. Une démo, ouais, un truc du genre. Ouais, un fichier à la con du jeu, mais qu'ils peuvent pas tout faire dans le jeu. Genre, tu vois, ils ont une idée où ils peuvent faire des conneries, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et que, du coup, ils font, allez, on vous passe 500€. Ouais, mais ça, moi, ce que j'adorais, c'est la séquence. Tu sais, t'as à un moment donné, je sais pas si t'as vu, il y a une séquence dans un aéroport et t'as des avions qui se font aspirer par le vortex. Ah ouais, la tornade, je sais pas quoi, là. Oh, ça tue sa mère, l'avion qui s'est aspiré par la tornade, j'ai adoré. Moi, j'ai vraiment, moi, ça me fait chier, j'ai vraiment envie de jouer à Just Cause. Je peux pas, donc bon. Mais ah ouais, ça a l'air. C'est tout le temps la même chose, mais ça a l'air cool, quoi. C'est une exclu PlayStation? Non, même pas. Non, même pas, c'est... il est sur le PC et sur la Play. Oui, ouais, il est partout. Bah, Just Cause 2, tu sais qu'il pèse rien, il pèse 3Go. Hein. 3Go, Just Cause 2, c'est un excellent jeu, je l'ai torché quand je l'avais sur PS3, tu peux l'installer sur PC. Hein. Il tourne sur tous les PC quasiment. Ouais, il y a même un multi sur PC. Je vais partir. Ouais. Tu t'en vas du coup? Ouais. Bah écoute mec, c'était sympa que tu sois passé. De toute façon, moi je vais pas tarder. Hein. Si Star Citizen il se lance pas, j'arrête. Hein. Bah oui, là je vois ça tourne en rond là. Bah ça. Au moins ça tourne déjà. Mais on verra, je sais pas. Enfin bref. Ouais. Bah on verra ce que ça donne, mais j'en sais rien. Bah on a parlé longtemps là, vous êtes venu à quelle heure? 21h10, il est 23h, bah voilà le... Bon... Au revoir. Hâte de voir les oursons le film, hein. Ouais. Oui. Vive... Les tacos, parce que j'ai faim. Ouais. Putain, je suis vous me déprimez là, sur ce moment, on est fatigué. Mais oh là là. Hein? Ouais, bon, Star Citizen, il me casse les couilles. Genre, c'est 10 minutes de chargement maxi, normalement. Genre, là, c'est la 3.1.2, donc normalement, t'as deux lunes plus une planète. Oh! Oh, attends, je crois que c'est fini le chargement. Ouais, la musique elle s'est arrêtée, donc c'est que c'est fini. Allez, s'il te plaît. Bon, de toute façon, moi je vais pas tarder non plus. Hein. Bon, moi j'aurais testé le live, c'est marrant. Je pense que si on fait un live scénarisé, ça peut être sympa aussi.